Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe, aujourd'hui je suis avec Laurent. Salut Laurent. Salut Daniel. <laughs> je suis là à ton initiative, tu m'as dit « Hey Daniel, je regarde tes émissions, à mon avis on peut en faire une sympa », on a discuté un petit peu et voilà, je me suis dit « je vais venir ». Alors nous sommes en Hongrie, dans une petite ville de Hongrie dont on taira le nom pour préserver la tranquillité de Laurent, mais on va discuter un petit peu de sa vie, on va discuter de la vie en Hongrie également. Alors euh, Laurent a une... J'allais dire une vie de baroudeur, ce n'est pas tout à fait vrai, mais après, on va dire une vingtaine passée en France, à un moment donné, tu as pris tes clics et tes clacs et tu as décidé de partir dans un premier temps, pas en Europe, mais au Canada. Absolument. Alors déjà, le mouvement initial, pourquoi tu t'es dit, bon, je me tire et quelle a été l'opportunité surtout euh, ouais, je suis parti donc, à 27 ans au Canada. L'opportunité, euh, il n'y en avait pas. Enfin, C'est moi qui, qui ai créé. Ah si, en fait, j'avais entendu parler, j'avais un ami qui avait décidé de, de partir au Québec, il était parti au Québec, il avait fait les démarches. Il m'avait dit comment ça se passait. Ce n'était pas si compliqué que ça. Ouais. Et finalement, j'ai fait les démarches administratives pour obtenir la, la résidence permanente sans vraiment savoir pourquoi je les faisais. C'était pas très cher. Ah ouais, ouais Ce n'était pas très cher. C'était 500 euros qu'il fallait mettre. J'avais un, une envie en moi, mais en fait, bon, pour être sincère, je ne je, je, je savais même pas. Alors, bon, je pourrais te raconter euh, euh, finalement, parce qu'en fait, tu obtiens les papiers, le visa pour partir au Québec. Ouais. Et ces papiers-là, si tu n'es pas parti au Québec dans un laps de deux ans, ouais. euh, c'est annulé. Pas, ouais. D'accord, oui. Et ça, alors, c'était en quelle année ça 2008, non 2009 euh, 2000. Euh, écoute, faut faire le calcul. Ouais, c'est ça. 2000, euh, 2000, 2009, 2000. Euh, non, je fais les, je fais les démarches en 2007. J'obtiens ma résidence permanente, mon visa euh, pour partir au Québec, mm -hmm. valable deux ans. Donc, qui déclenche une fois que tu arrives au Québec euh, la résidence permanente de quatre ans, si je me souviens bien. ok et donc, euh, en 2000, euh, 2007, j'obtiens ce, ce visa et je reste en France jusqu'en 2009. Ah ouais Et, et alors, je jouais, je jouais au poker sur Internet, ouais. je gagne un, un beau tournoi, ouais. je gagne 3 ou 4 000 euros et je me dis, je vais, il faut que j'aille, euh, le, 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 comment dire, la, 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 deadline. le visa, la, la deadline, c'était le 29, euh, je sais plus quoi, avril, quelque chose dans le genre, ouais. et, et je, je pars un week-end avec une copine... Euh, pour passer la frontière, pour lancer le, euh, le, ouais. euh, la résidence permanente de 4 ans. Donc, tu vois, j'y allais en fait à reculons. D'accord, ouais, ouais. c'était comme une espèce de, de truc dans ta tête. Je le ferai un jour et puis finalement, tu es mis un coup de pied ouais, aux fesses. voilà, c'est Tu sais, c'est bon, je vivais euh, la vie parisienne tu vois, que, que, on a parlé euh, voilà, dont ouais. on a parlé tout à l'heure, euh, avec ses avantages et ses inconvénients. Et puis, euh, voilà, tu vois, tu, tu sais, euh, d'une certaine façon, tu. Il euh, y, y a un manque, il y a quelque chose. Tu veux, il bon, y a les problèmes de, de sécurité. Il ouais. y a, il euh, aussi euh, euh, pas trop de perspectives d'avenir professionnel, tu vois. Ouais. Et, euh, donc tu, tu dis, il faut que je fasse quelque chose. Peut-être que c'est pas en France que ça va se faire. Ouais. Et, euh, et donc c'est pour ça que je faisais ces démarches. Mmh, ouais, ouais. Ouais. Et euh, alors quand tu es arrivé au, donc c'était à Montréal, c'est ça Tu as, as débarqué Absolument. Tu as, tu as cherché un boulot tout de suite euh... Alors, euh, en fait, je suis arrivé donc euh, le 13 janvier, ça j'en souviendrai toujours de cette date, euh, 2011 à Montréal, il faisait moins 40. Mm -hmm. Donc là, je découvre qu'est-ce que c'est moins 40. Je <laughs> n'arrive ouais, même pas à concevoir, parce en fait, que c'est ah, moins là, 40. Ben, justement, moins 40, c'est un niveau... <coughs> parce qu'après, dans, dans, dans les années qui, qui ont suivi, il n'a pas fait aussi froid. Donc, euh, je suis arrivé à un, à un, un hiver ou à un moment où il a fait très froid, bon, peu importe. Et moins 40, eh bien, euh, c'est simple, c'est... Euh, si, si tu restes plus de 10 minutes à l'extérieur, pas couvert, tu meurs. Es c'est dans le mal, quoi. dans le mal, quoi. <laughs> bon, et donc, j'arrive à Montréal. Je fais quelques démarches administratives pour valider tout ça. Ouais. Et je décide de partir à Toronto immédiatement. Okay. Parce que j'avais compris, en fait, j'avais lu que bon, si on ne parlait pas anglais... Professionnellement, on ne pourrait pas avancer. Donc, j'avais décidé d'apprendre l'anglais. Je parlais très okay, très Donc, tu es allé à Toronto pour euh, améliorer ton anglais Exclusivement. Améliorer, ouais. c'est plus que ça. C'est partir de, de zéro quasiment. De zéro vers le 1. Parce que ouais. j'avais le, le, le niveau d'anglais qu'on qu obtient dans, dans un, dans un ouais, collège ouais. lycée français. Point géographique, à Montréal, on parle français. À Toronto, on parle anglais. C'est le Canada. C'est le Québec. Voilà, quoi. Ouais, absolument. Donc, mm -hmm. à Toronto, c'est une ville nord-américaine. Mm -hmm. euh, c'est l'Ontario. Euh, la langue c'est l'anglais mmh. et, et rien d'autre, alors qu'à Montréal, bon, euh, même si justement on pourrait en parler plus tard, il euh, y a un recul net du français. Euh, le, bon, on peut s'en sortir, on peut vivre à Montréal en, en parlant français. En, enfin, ouais. en parlant français. Mmh. Et donc à Toronto, tu as tu as trouvé un job euh, Non, alors bon, j'étais parti avec un petit budget, parce que c'était, euh, j'avais quand même préparé, euh, comment dire, le, le départ. Euh, ouais. J'avais cet objectif, de passer six mois mmh. en six 7 mois euh, à Toronto pour apprendre l'anglais donc euh, je, je lisais toute la journée euh, d'accord ouais. euh, voilà je lisais toute la journée j'ai rencontré une, une assez tôt d'ailleurs euh, une femme une, une femme qui euh, voilà qui, qui m'a permis de, de parler anglais encore plus euh, ouais. et donc euh, mon niveau d'anglais je pense qu'il a progressé euh, euh, de façon assez importante d'accord ce donc c'est une espèce de voyage linguistique après tu es revenu plutôt vers le Québec absolument je reviens au Québec euh, j'hésitais mais il se trouve que le, le contrat qu'on passe quand on est français avec. Donc parce que c'est un processus d'immigration un peu spécifique pour les Français, parce qu'il y a des accords particuliers. Ouais. Le contrat qu'on passe, c'est qu'on va rester au Québec. Ouais. Et si on ne reste pas au Québec, on n'obtient pas ce qu'on appelle la carte soleil. C'est l'assurance, la, la, la carte euh, en France, c'est euh, la carte verte. Là, ah, le, la carte vitale. La carte vitale. Ok, ouais, donc c'est important. Ouais, c'est important. Donc, ouais. Ouais, important. donc, ouais. euh, pas, donc euh, bon, c'était un. C'est pas uniquement le déclencheur, mais bon, ça s'était fini avec ma copine. Ouais. Euh, et puis, je décide de, de toute façon de, de remplir le, le contrat qui, avec, euh, voilà, qui, qui était que je, je m'installe au Québec. Mmh. Enfin, donc, j'arrive à Montréal. Et euh, à Montréal, ben, je, je cherche du travail. Je mmh. cherche du travail de façon très active. Euh, et, puis, euh, et puis, je finis par en trouver assez facilement. Euh, et là, euh, je trouve un, un, super, un super job, en fait. Enfin... Euh, qui s'est avéré par le passé une très bonne expérience professionnelle. Mmh. Euh, qui, euh, donc j'ai intégré une grosse société de vente de services informatiques mmh. euh, avec une formation préalable de trois mois. Euh, on était, il y avait 30 personnes qui rentraient dans cette formation on était trois à la sortie donc un, un, une sélection incroyable etc as beaucoup bossé ouais donc alors formation payée quand même mm -hmm. mais on apprend euh, donc que tout formation en anglais donc c'est une, une société donc, euh, qui parle que anglais en fait mm -hmm. donc c'est la vente de solutions informatiques sur le marché nord-américain mm -hmm. évidemment ils prennent les francophones plus pour, pour le québec mm -hmm. mais toute la formation se fait en anglais donc là quand on commence à uniquement parler au travail en anglais mm -hmm. là le niveau d'anglais monte encore d'un ouais, niveau mais ouais. Euh, surtout, c'est le niveau de vocabulaire euh, du business qu'on commence à acquérir à, acquérir à ce moment-là. Voilà. Et, et donc, euh, donc je, je fais ce, ce, cette formation. Euh, ça me permet aussi donc, de, 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 de connaître tous les acteurs de, de, de économiques locaux, en fait. Mm -hmm. euh, qui fait quoi euh, euh, Quelles sont les grosses sociétés euh, Parce qu'il faut connaître... Ra oui. J'acquiers rapidement une, une, comment, une, une expérience professionnelle qui me permettra par la suite de... de euh... de pouvoir travailler, ouais, de pouvoir euh... travailler, quoi, d'être mmh. d'être employable au Québec. Au Québec, quoi ouais. voilà. Alors, comment la vie au, au quotidien est au Québec par rapport à la France, par exemple euh, Alors, c'est vrai que il euh, y avait un, une des raisons pour lesquelles j'avais j'avais quitté euh, la France, c'était parce que bon, j'avais eu pas mal d'emmerdes à Paris, euh, bon, qu'on connaît, de, de sécurité, etc. Donc, mmh. euh, bah, de ce point de vue-là. Zéro oh merde, pas de, euh, pas, de, un... pas de petite délinquance, rien. Mm -hmm. Bon, je me suis fait piquer un vélo quand même. Ouais. Euh, mais pour le reste, on n'y pense plus. Rien de comparable avec non, vraiment comparable. Cette, cette espèce d'effet, euh, cette impression de coupe-gorge qu'on peut avoir ouais. dans le métro à Paris à certaines ouais. heures. Absolument, absolument. Rien de comparable. Euh, voilà, le niveau de stress à zéro. Ouais. Euh, donc ça, c'est pas mal. Euh, après, euh, Montréal, bon, c'est une ville qui bouge énormément. C'est mm -hmm. une ville de jeunes. Bon, je suis arrivé un petit peu tard. Euh, J'arrivais à, à 32 ans euh, à Montréal. Donc euh, bon... Euh, mais bon, je, je conseille fortement cette ville quand on arrive à 20 ans parce que c'est vraiment une euh, ouais, ouais, ville ouais. Qui, qui bouge énormément, euh, une ville euh, voilà, de, de fête. Quoi, oui, oui, c'est ça, ça. Quand on veut vivre une vie de jeune, on va dire, sans ouais. trop ouais. se poser de questions, ouais. euh, Montréal peut ouais. être conseillé, ouais. 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 Absolument. Euh, quoi d'autre donc voilà donc dans cette société dans laquelle je travaille je continue hein. ouais, ouais, je prie, je prie. Euh, je, dans cette société dans laquelle je travaille je rencontre euh, un type qui me propose de, de monter une boîte avec lui et un de ses un autre partenaire ouais. Euh, bon, d'abord, il me propose d'être de, de, le vendeur, le responsable des ventes de sa société. Hein. Bon, finalement, je lui propose, moi, en échange, de, de plutôt d'acquérir des parts et de rentrer dans ce business. Donc, je monte un business euh, au Québec avec ces ouais. deux Québécois, deux jeunes Québécois de 25-26 ans, alors que j'en ai 32. Quand même, gros décalage, je veux dire, euh, culturel, quand même. Pas les mêmes références. Pas, pas les, mêmes les mêmes références. Ouais. Euh, euh, donc, bon, voilà, euh, c'est. Peu importe. En fait, c'est pour le boulot, quoi. C'est pour le boulot, mais. Voilà, il y a un décalage culturel. Quoi. Il faut, euh, mmh. euh, faut s'adapter. Ouais, euh, ouais. Pour répondre à ta première question, voilà, que, comment c'est de la vie, de la vie euh, de Oui, on en parlait tout à l'heure autour oui. d'un café. C'est en fait, il ne faut pas oublier que même s'ils parlent français, mmh. ils ont une mentalité de nord-américain. C'est quand même autre chose. C'est ça. Ça, ça. Donc, euh, euh, l'immigration, ça, euh, ça commence par, euh, par de l'adaptation oui. euh, euh, continuelle, tout le temps, dans toutes les conversations. Il faut s'adapter. Euh, c'est un français comment dire en fait bon il y a dix différents français qui sont pratiqués j'en dirais au québec quoi donc il y a le français de, de, la, de la, du journaliste mm -hmm. donc il y un français international qui est très enfin, qui est proche d'une autre Correct, très, ouais. très, 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 très épuré et puis il y a le français euh, le français avec 50% d'anglais à l'intérieur ouais il euh, y a le français avec un accent très fort du lac Saint-Jean donc avec euh, on veut dire un Français euh, voilà, qui, qui s'approprie, enfin qui qu'on euh, qu entend, qu entendait encore en France, euh, voilà. Mais si lâche toi, à parler parents. Québécois, t'es resté à ce non, non non, j'ai jamais pu en plus. j'ai Très mauvais en imitation, j'ai jamais pu euh, parler ah, dommage, Québécois. Dommage. Mais bon, en fait, j'ai appris que si pour certains mots-clés, je, je disais le mot-clé en anglais, ouais. j'avais plus de chance que si je cherchais un, 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 un mot synonyme. français. Un synonyme, français. Donc il faut il faut bien comprendre ça donc dans, dans les conversations on, toujours il faut toujours s'adapter ouais, ouais. En somme le Québécois est à mi chemin entre l'anglais et le français C'est 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 vraiment du franglish quoi. Ouais alors ils, ils aiment pas trop qu'on leur qu'on leur dise ça euh, parce que bon il là aussi il y a différents degrés de, 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 de Québécois de comment dire il y a des, des, des Québécois qui euh, qui, qui de ça quoi. Mm -hmm, D'autres qui en ont rien à faire. Euh, donc voilà, pour être compris. Euh, et puis alors, il y a aussi des Québécois euh, qui attendent du français qu'ils disent des mots un peu trop précieux. Ah, ok. Voilà. Pour euh, donc, il faut pas. Euh, si tu veux bien t'intégrer, mm -hmm. tu vois, il faut, faut, faut éviter euh, euh, certains mots qui vont pas être compris et puis qui, qui vont surtout euh, qui vont euh, tout de suite identifier comme français. Ouais, comme français ouais. et puis comme euh, arrogant, ce qu'ils veulent. Ah d'accord. Ouais. Alors bon, le français a une réputation d'arrogance. Ouais. Ça peut être vrai pourquoi pas oui c'est oui, oui. vrai c'est vrai il peut il peut être arrogant euh, mais surtout c'est le québécois qui peut avoir aussi euh, un réflexe de défense un réflexe de défense ouais, ouais, ouais je euh, comprends ouais. Ouais. alors tu m'avais dit qu'au contact avec les locaux on t'avait dit que le, le Québec et Montréal a beaucoup changé ces dernières décennies notamment au niveau de l'emprise du français je qui qu'il diminue et bien sûr bon l'immigration c'est sûr ouais. euh, donc euh, au fond, c'est quoi C'est un peu. c'est Quelque part, ça coïncide avec tout le reste de l'histoire de l'Occident. En gros, il y a 30 ans, c'était full white, et maintenant, c'est plus le cas, tout simplement. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, j'ai j'ai, bon, des témoignages euh, comme ça d'une euh, femme de 65 ans qui était professeure de, de droit à l'université d'Ottawa, ouais. euh, qui avait donc passé sa jeunesse. Euh, à Toronto et qui m'expliquait que quand elle avait 20 ans à Toronto, donc il y, y a 40 ans, mm -hmm. euh, Toronto était une ville blanche ouais. et qui était même connue pour sa blancheur, est, qui ouais. est réputée comme une des villes nord-américaines les plus blanches. Voilà. Ouais. Alors quand on y va, bah, on, on voit le, que, voilà, que, que, que ça a totalement changé. Il ouais. euh, y immigration a une migration asiatique, asiatique euh, indienne, mm -hmm. bah, pakistanaise. Enfin, moi, je ne fais pas trop la différence. Ouais. Euh, forte immigration asiatique, chinoise. Mm -hmm. euh et donc euh, voilà, donc c'est pas la, 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 la ville a été euh, dit, la population de cette ville a été modifiée en 40 ans euh, ouais, ouais, ça. De, au moins de 50-60 mm -hmm. Mais Alors est-ce que la ville s'est agrandie énormément ouais, est -ce que ouais, 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 c'est ouais, ouais, un, une des villes euh, dans lequel les euh, le, le temps de euh, le temps de, de déplacement de moyens pour aller au travail est le plus long ça, euh, terrible, au monde ça. Ah, ouais. Je crois que c'est quelque chose comme en moyenne une heure et demie. Je dirais, ah, ouais, je ouais, ça a un effet très négatif sur le, ouais. le moral en général. Quoi. Surtout quand ouais. il fait de très froid que ça doit boucher les routes. <laughs> ouais, ouais. Alors, bon, euh, Toronto, c'est plus dans Assez le plus sud. sud. Bon, il peut faire extrêmement froid, mais euh, ouais. c'est moins qu'à Montréal. De... Ouais. Ouais. Est-ce que tu, pendant ton. Bon, je, je navigue un peu ouais, du ouais. sur une je passe du coq à ouais. mais. Pendant ton séjour au Québec, est-ce que tu as eu la quesier de voyager dans d'autres villes que Montréal, de monter un peu au nord Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, bon, pour, même pour des raisons de, de, de business, de boulot, j'allais mmh. euh, au Québec. Ah, C'est hein. quoi la province du Québec Parce qu'on nous parle de Montréal, mais jamais du reste. Oui, alors, bon, euh, j'ai fait. Euh, je, bon, je suis allé à Ottawa, euh, ouais. une ville administrative, euh, comment dire, euh, pas extrêmement séduisante. Ouais. Je l'ai trouvé assez bon. Euh, Banal. Après, mm -hmm. bon, j'suis, évidemment, je suis allé à, à, à Québec. J'y mm -hmm. allais assez souvent. Euh, deux, trois fois, quand même. Euh, au moins, non, trois quatre fois par année. Ouais. Euh, et donc, bon, voilà, c'est une ville euh, qui, sans doute, est une des villes les, les, les plus européennes d'Amérique du Nord. D'accord. Euh, donc, il y a des quartiers qui te font penser un peu à Saint-Malo, des choses comme ça. Ah, oui. euh, là, c'est vraiment uni uniquement le, fran le français qui est pratiqué. Euh, D'accord. Je pense que c'est là où. Les, les gens sont le plus à cheval sur, euh, sur cette question. D'accord. Euh, quoi dire euh, euh, pour le reste Bon bah, je suis allé dans des parcs nationaux. Il y a plein de parcs national, nationaux nationaux euh, oui, tout autour de, 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 de Montréal. À une heure et demie de Montréal, ouais, hein. la nature a l'air magnifique. Autour, ah, ouais, hein. c'est magnifique. Et puis surtout, c'est euh, gigantesque quoi. Ouais. À, mmh. à une heure et demie de Montréal, tu peux aller au euh, au parc, euh, bon, évidemment, j'oublie le nom maintenant, mais peu importe. Mm. Bref, tu, tu peux te retrouver sur une colline et regarder devant toi, et devant toi, tu as 1000 km de nature euh, sauvage. Ouais, pur ouais, c'est ça. c'est ouais. à 1h30 de Montréal. <laughs> On te balance un hélicoptère au milieu, t'es foutu, ouais. quoi. Ouais, vraiment, bon ouais. tremblant, bon tremblant. Voilà. Ouais, ouais, d'accord. Euh, et donc, il y a plein de parcs comme ça, de nationaux, immenses, dans mm -hmm. lesquels tu peux te promener. Je dirais la nature n'est pas très euh, diversifiée. Mm -hmm. euh, donc, quand on a vu un, tu as un peu vu tous les parcs. Oui, oui, hein. oui c'est septentrional, les ouais. sapins. Absolument, des, absolument. Euh, c'est ouais. euh, voilà, là que tu réalises qu'en France, il bon, y a énormément de diversité. de. C'est vrai, donc, euh, on a ouais. un territoire finalement assez petit par rapport à notre pays. Absolument, tu vois, tu vois ouais. beaucoup de choses différentes. Ouais, absolument, absolument. Euh, après, euh, finalement, alors c'est aussi il y a une chose de, qu on, qu on, de, auquel on prend conscience euh, à Montréal, c'est de l'isolement de, enfin, de, de la ville. C'est-à-dire que bon, il y a Toronto à 7 heures de route, oui, oui. Euh, Québec, euh, autre grande ville à 4 heures de route, et puis finalement, le reste, c'est quand même des, des petits villages. Euh, bon, oui, oui, oui. Et donc, c'est voilà, très sauvage, très rapidement. Quand tu dis de route, c'est d'avion euh, Non, 4 heures de route, j'ai dit quoi Tu as dit 4 heures de route 4 euh, heures de route, oui, de, de route pour faire vers, vers Québec, de route euh, en voiture. voiture. D'accord, ok, ouais. ok. Ah, je pensais que Toronto et Montréal étaient quand même plus éloignés que ça, parce que tu m'as dit aussi 7 heures ouais 7 heures de Toronto euh, ouais, en voiture ouais, ouais hein, d'accord okay. Euh, ok oui bah, tout est relatif hein. ouais, c'est vrai mais donc c'est un peu un isola, comme ça il est et voilà. autour des forêts exactement ouais, ouais, et, entre après, deux villes, et après bon bah le reste c'est il faut prendre l'avion hein. ouais, euh, ouais, ouais, ouais. euh, bon souvent on va faire une petite visite à New York tu vois mm -hmm. bon je sais pas c'est plus une heure et demie d'avion quelque chose ouais. du genre euh, souvent il y a des gens qui vont voir à Chicago également mm -hmm. après euh, on peut aller dans les autres grandes villes du Canada mais c'est tout de suite le Canada, il y a le Canada de l'Ouest avec ouais. Vancouver. Il euh, y a le Canada de l'Est. Euh, Qu'est-ce que je raconte de l'Ouest Oui, c'est Vancouver oui, bon, et le ouais. Canada de l'Est, Montréal. Mais Montréal, le prix de l'avion pour aller à, à Vancouver, donc pour, pour mm -hmm. aller dans le même pays, c'est le même que le prix d'avion pour aller à Paris. Ah ouais, c'est genre 1000 balles quoi. Ouais, si tu ça, c'est pas l'avance. C'est ça. ça. Ah ouais, c'est colossal. Et, et, et donc, euh, donc voilà, c'est quasiment deux pays séparés. pareil. Mm. Euh, y il y a une distance énorme, il y a 5000 kilomètres. Mm -hmm. Donc bon voilà donc on va pas à Vancouver tous les jours d'ailleurs j'y suis jamais allé j'ai loupé une, une occasion professionnelle il y avait... mais ma fille naissait ce week-end là donc euh, j'avais autre chose à faire que d'aller dans, ce, dans ce tu en as profité aussi pour aller un peu aux États-Unis ou... Ou oui alors je suis allé à, à New York euh, deux trois fois euh, ouais. bon, c'est tout alors moi j'étais allé à 20 ans à New York euh, quand j'avais euh, 20 ans j'avais avec un visa G1 pendant un, pendant quatre mois euh, pour travailler à New York quand j'étais jeune euh, et donc, j'étais fasciné quand j'avais 20 ans par euh, l'Amérique, euh, bon, dans les années 90. Voilà, ouais. le... Et en fait, je suis retourné à New York à, par la suite. Et en, finalement, bon, euh, bah, j'ai trouvé ça à, par la suite voilà, une grande ville écrasante, euh, sale et puis euh, euh, ouais. trop cosmopolite. Enfin, bah, justement, parce que j'avais la vision ouais, de 20 ans. Alors, est-ce puis... que, est, est que ça a changé ou est-ce que c'est ta vision qui a changé Peut-être je... un peu la vision deux. a changé parce que je pense ouais. que New York a, pas, a, pas trop, oui. a certainement changé, mais euh, ça a toujours été une ville-monde. Ça, euh, ça, oui. Quand on voit euh, les films ouais. des années 80, 90, c'est déjà, ouais. euh, ouais. déjà très cosmopolite, ouais. quoi. Ouais. Alors, finalement, donc on parle du Québec, et puis qu'est-ce qui a fait Parce que là, on, on fait cette émission en mmh. Europe, bien sûr. Qu'est-ce qui a fait À un moment donné, tu te dis, bon, ben, je laisse tomber, je, je reviens. Ouais, alors, euh, c'est vrai qu'au départ, quand on part, euh, on se dit, enfin, on est on, on écarte aucune option en fait. Mmh. On se dit, peut-être éventuellement, toute ma vie, pourquoi pas. Euh, euh, quand je suis parti, en tout cas, moi, je n'avais pas d'idée à arrêter sur, sur la question. Euh, et puis, au fur et à mesure, euh, on prend conscience euh, à l'étranger de qu'est-ce qu'on a laissé vraiment. C'est ouais. vraiment très intéressant d'avoir ce recul. Mmh. Euh, on prend conscience euh, qu'on est européen. Oui. Euh, et que. De quand on a vécu en Europe, même dans quel que soit le pays, de 0 à 25 ans, on est européen et c'est fini. On ne pourra pas revenir en arrière. Mm -hmm. euh, après, bon, j'ai rencontré une hongroise. Euh, et puis surtout, j'ai eu ma fille. Bon, et et, et c'est là que j'ai décidé qu'on allait revenir en, en Europe. Oui. Parce que bon, c'est à cause du système éducatif qui m'a fait un petit peu peur. Euh, parce qu'en de, de, première vue, les gens se disent bah, Attends, il quitte Paris. Au Canada, malgré une immigration qui commence, il y a de la sécurité. Finalement, il y a un enfant, pourquoi ne pas l'éduquer, pourquoi ne pas l'élever Donc ouais. la raison est autre, en fait, elle est. Euh... Ouais, ouais. Euh... Oui, alors, euh... en fait, bon, on comprend rapidement parce que l'éducation, enfin, le, le système éducatif québécois, bon, il, il est ce qu'il est. Donc il y a les écoles de bonne qualité anglo saxonnes mm -hmm. euh, chères. Mm -hmm. Euh, sauf que bon, les enfants, bah, ils reviennent chez toi, ils sont anglais, quoi. ils ne sont, sont plus français. Et j'ai ouais. vu. vu euh, moi, moi, euh, ma, ma femme avait deux collègues qui étaient hongrois, qui étaient venus euh, à 25-30 ans euh, de Hongrie, qui ont eu trois enfants au Québec. Mm. Euh, ils en ont mis euh, deux dans le système éducatif anglais. Ouais. Les enfants revenaient à la maison, c'est fini, ils parlaient ni hongrois, ni français, ils parlaient exclusivement anglais. Ça, ça c'est vraiment la puissance du melting pot. Euh... Caucasiens quand même qu'ont réussi les, les Américains du Nord c'est que c'est une grande machine à laver quoi ah, ouais. tu fous des Italiens tu fous des ah, ouais. Irlandais tu ah, fous des, des Norvégiens ouais. à la fin ils sont Américains ah, quoi. Ouais. et ah, là c'est la même chose ah, ouais, d'ailleurs en parlant de ça dans ma dernière expérience professionnelle euh, euh, au Québec donc j'étais dans un euh, dans un bureau avec 15 gars ouais euh, et donc il y avait euh, un enfin donc tous tous étaient Québécois euh, tous étaient nés sur le sol québécois deux parents étrangers mm -hmm. euh, certains étaient nés à l'étranger mais en enfin, gros ils étaient arrivés tellement jeunes que ça ne compte pas euh, donc il y avait euh, un italien, un sicilien euh, il y avait des, euh, des euh, donc un grec mm -hmm. il y avait un, euh, un libanais, il y avait euh, des syriens euh, orthodoxes euh, il y avait, euh, bah, bref de, de tout et au final, il y avait même un, un Arménien. Et au final, euh, bah, il, il, euh, ils parlaient tous parfaitement anglais. Euh, ils étaient, ils avaient, bah, c'était des Américains. Quoi. Mmh. Alors, ils parlaient le français, mais on, on, bah, franchement, c'était leur deuxième langue. Quoi. Ouais, d'accord. Mais puis dès, dès qu'on parle conversation... pas de langue, on parle de mentalité. De oui, culture, de mentalité, euh... oui. Alors, oui ouais, ouais, ouais. En effet, de, alors, ils étaient tous à regarder des, des shows de TV ouais, euh, américains. Ah, ça, ça. Euh, ils suivaient la NBA, ils suivaient enfin, euh, le, le football américain. Ils suivaient... Bref, ils, ils étaient des, des vrais des, Américains. J'ai un ami qui a, qui a été en France toute sa vie, qui a simplement, pour le boulot, qui était un mois en Amérique du Nord. Et il m'a dit c'est impressionnant à quel point la malbouffe est culturelle chez eux. Et quand tu leur proposes de la bonne bouffe, c'est comme si tu les agressais, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc. Alors que bon, nous, on va manger un McDo peut-être quand on n'a pas le choix ou quand on va se faire un petit casse-dalle. Mais euh, chez eux, si tu veux, tu leur proposes, euh, tu leur proposes des rillettes. Euh, ils trouvent ça dégueulasse, quoi. <laughs> Je ouais, dire. alors c'est c'est sûr que de ce point de vue là. Euh le plat, le, plat, le, le plat national, enfin national, euh, euh, régional, c'est la, la poutine. Oui, oui. Ils sont, ils sont très fiers, en fait, d'un agglomérat de, de, de frites molles. Tu vois <laughs> Avec du avec, fromage. Avec un peu de fromage au-dessus et une sauce barbecue. Tu vois, mm. c'est la référence. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ouais, ouais, <laughs> Nos communes, après, bon. Euh, euh, si, alors, ils ont la culture du steak, du steak house. Euh, ouais. quand même, si tu veux vraiment bien manger. Euh, ouais, tu fais des bons morceaux dans... de viande. Ah ouais, tu, ouais. tu vas dans un steak house. Euh, ben un steak à 50 dollars, tu, mmh. tu peux même payer 100 dollars le steak. Euh, mais, c voilà, c mais sans faire nos, nos, nos comptes français, est-ce que tu dirais qu'il y a moins de finesse culturelle Peut-être que non, peut-être qu'il y a une finesse ailleurs qu'on ne voit pas. C'est une bonne question. Une, une bonne question. Alors, en fait, il euh, y a deux types d'individus que tu vas pouvoir croiser. Hein. Tu as un individu qui est très. Euh, euh, on va dire. Euh, je sais pas le, le, je, attention à ce terme que je vais sortir à ouais, ouais, cet adjectif ouais. bon, on va dire qu'il est très québécois qui est très bourru qui est très euh, oui. euh, grossier mm -hmm. voilà euh, donc bon, bûcheron quoi bûcheron quoi, ouais. bûcheron j'ai quand même parlé à un québécois qui m'a dit un jeune québécois de la bourgeoisie euh, que, euh, québécoise euh, bah, qui avait des moyens qui était dans des grands chalets etc un moment, je lui ai dit « Est-ce que euh, un jour, ça t'intéresserait de partir, euh, de, de visiter l'Europe ?» Il dit :« Non, pas du tout. Voilà. Et, et pas » Voilà. Pas et du pas pas tout. Par, bon, par crainte des attentats. Non, ou, non pas par crainte non, des attentats, par, par, par manque de moyens, pour le patrimoine, par, ouais. par inintérêt total ouais. pour le patrimoine. D'accord, ok, ok. Ouais. C'est un type qui regardait les 80 matchs de hockey ouais. euh, par euh, par année. Sur 80 matchs de hockey, c'est que tu es derrière ta télé. Un, Paquet de temps, quoi. Ouais, tu ouais, vois, ouais, de regarder. Ouais. Euh, de... Donc voilà, donc euh, eux, c'est. Ils ont que. Ils, 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 beaucoup d'entre eux euh, aiment, voilà, leur. leur Mais c'est respectable, je veux dire, bon, leur, leur vie, euh, voilà, leur leur religion, c'est le hockey. Mm -hmm. euh, leur, euh, Ils aiment bien leur confort, leur, petit, leur matérialisme, mais. Euh, Oh, euh, il se méfie énormément d'ailleurs des, des Français qui arrivent. Alors, euh, par exemple, pour la séduction, tu vois ça, j'ai ouais. vite compris que, euh, tu sais, le, le Français on aime bien donc euh, se répandre euh, ouais, ouais. en, en idées, en idéologie, en concepts, etc. Ouais, ouais. euh, C'est-à-dire, nous, on, on, on drague pas, <laughs> on fait. Un... <laughs> On fait un débat. On fait un débat, f... quoi. Mais, mais là-bas, la, la fille, elle te regarde, elle, elle n'a strictement rien, rien à, faire à foutre. De ouais. Ces ouais, clair, elle veut s'amuser, quoi. Elle veut s'amuser, et puis elle veut quelqu'un qui paye pour qu'elle s'amuse, mmh. vois, quelqu'un qui montre le pouvoir d'achat, quoi. Ouais, tu vois, et, et elle s'intéressera euh, à toi, d'autant plus que ton pouvoir d'achat est important, quoi. Mmh, est, euh, bien sûr, hein. Et ça, c'est nord-américain. En quoi, tout cas, à euh... minima, si t'as pas trop de thunes, il faut que tu l'amuses, quoi. T'as ouais, pas commencé ou, à faire que tu mettes toute la thune que t'as ce soir-là, quoi. Ouais, ça. Tu il faut que tu mises. Euh, parce que parce que voilà parce que la grande conversation euh, euh, voilà, où tu vas refaire le monde ça ça, ça va pas marcher c'est vrai c'est vrai ça, ça va pas marcher donc ça c'est alors par contre euh, en revanche tu, tu, tu recroises un autre type de personne ouais. et alors bon j'ai un de mon meilleur ami euh, que j'avais fait là bas c'était un de mes meilleurs amis euh, que j'avais rencontré là-bas donc c'était un russe mm -hmm. donc le type il vit de 0 à 10 ans en Russie de 10 ans à 20 ans à Neuilly Mmh. Sur scène. Donc, il est euh, fils de diplomate. Entre 10 ans et 12 ans, il est euh, dans l'ambassade russe, avec interdiction de, de, de à Paris, avec interdiction de, 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 sortir. de, de sortir, de parler à, aux autochtones. Wow. Donc, euh, mmh. l'URSS, quoi. Mmh. Chute du mur de Berlin, etc. Et puis, donc il continue sa, 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 sa scolarité donc dans le lycée privé de Neuilly. Mmh. À 20 ans, il part en Amérique du Nord euh, ouais, faire bah, des attends. études. Non, mais, ouais, ouais. Donc, voilà, donc type, il parle trois langues euh, ouais, parfaitement. Ouais, ouais. Euh, il a une vision du monde à 360 degrés voilà donc là c'est un, un, de, un degré de rassurement ouais, tu, tu vois, parles de euh... quelqu'un qui n'est pas québécois de naissance et qui a été formé ouais, euh, non, mais un, tu autre racontes ju, un autre un, un, un iranien pareil cinq langues euh, ouais. il était parti à Paris pour, je lui avais dit tu vas voir tu vas être déçu par Paris il, avait, il voulait être philosophe français quoi. donc il est parti ouais, ouais. à s'inscrire à la Sorbonne à Paris oh le pauvre ouais et il est revenu, euh, je lui je l'avais prévenu et il a vu ce qu'il a vu. Bon, euh, on peut en, en parler, mais en bref, donc type hyper intelligent, avocat, euh, euh, il parle quatre ou cinq langues. Enfin bah, bref, bah, bah, mm. donc au Québec, on rencontre ce type de personnes quoi, mm. assez régulièrement. Enfin, euh, euh, je sais pas si c'est plus qu'ailleurs, mais bon, c'est une ville-monde. Oui, c'est enfin, quand même un pays un où tu vas trouver des gens de haut niveau, en fait. Comme ouais, donc les... tu, tu peux trouver des gens de très haut niveau. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà, tu as, as le type qui n'est jamais sorti du, euh, du Québec, euh, qui s'intéresse. Euh, au Mieux à un petit peu à l'Amérique, euh, alors ils aiment bien aussi passer des, euh, des, des vacances euh, quand dans, dans, les, dans les Caraïbes. Que ça, euh, bon, c'est éventuellement l'aventure, l'étape suivante de l'aventure pour le Québécois, c'est d'aller dans les Caraïbes. Après, les Québécois qui ont réussi dans leur vie, ils vont passer leur retraite en Floride. Donc, tu as des quartiers en Floride, côté de Miami, qui sont euh, qui sont entièrement Québécois. Mmh. Euh, bon, voilà, donc. Euh, euh, Bon, après, évidemment, on ne peut pas faire des généralités. J'ai rencontré des, quelques Québécois, euh, Québécois de, de, de haut niveau, tu vois, de, mm. qui, qui, euh, qui avaient lu beaucoup de choses, qui s'intéressaient beaucoup à la France, qui avaient lu euh, les classiques français, mais bon, voilà. C'est quand même des exceptions, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, comme, comme en France, je veux dire, euh, finalement, le ratio, c'est peut-être le même, tu vois, j'en sais, je sais rien. Peut-être, non, parce que tu, la question, c'était, est-ce qu'en moyenne, un peu moins de raffinement oui oui, bah, oui, oui. Oui. Non mais tu peux, oui. tu peux, tu peux le dire un peu moins. Ouais, un peu ouais. moins. Ouais. Bah, par contre c'est contrebalancé par euh, si tu veux le, le, la culture nord-américaine de, de l'efficacité du, oui, euh, oui, oui. du business moi mes associés euh, euh, avaient, à 25 ans il y en avait certains qui, y en avait un qui avait déjà qui était déjà à la troisième société tu perds quelque chose mais tu gagnes aussi exactement en euh, que il avait une intelligence du business oui, euh, oui. tu vois de euh, incroyable les, les, les... les québécois en particulier ont une réputation de, de gentillesse euh, de, des gens abordables plutôt gentils euh, ouais. euh, tu as ressenti ça aussi euh ouais 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 j'ai euh... Oui, oui, ils sont, ils sont, ils sont extrêmement un des trucs les plus déplaisants en France. C'est vraiment ces barrières de classe qui font qu'un ouais. type qui gagne plus que toi va te mépriser. Et dans, ouais. dans la plupart des autres pays, en fait, j'ai pas, j'ai pas trouvé ça. Ouais, 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 c'est euh... vrai que c'est frappant. Il ouais. n'y a, a pas, il a pas de, il y a pas ça. Il y, y a trois classes. Tu ouais. vois, au, au, au Canada, c'est le pouvoir d'achat qui, qui fait qui fait ça. C'est ouais. as le pauvre, la classe moyenne, ouais. et puis le riche. Mm -hmm. et, que le riche n'ait jamais lu un livre, ouais. euh, il est riche, donc il est en, il est plutôt dans la classe supérieure, tu vois. Oui, ouais, ouais. euh, Parce qu'en fait, tu, tu rayonnes par ton pouvoir d'achat. Ouais. Parce que tu as prouvé, finalement, que, que tu étais euh, utile à la que société. Que tu étais utile à la société, parce que tu avais un business, etc. Donc, mmh. euh, donc euh, voilà, donc il y, des, des, y, a, y a des passerelles entre, des, entre la politique et le... Et, et le, le... Tu vois, t t auras beaucoup plus de crédibilité, je pense, à être un homme politique si tu as monté une boîte, une mmh. grosse boîte, etc. Exact, ouais. Alors qu'en France, bon, voilà, j'ai si cité... Si, L'Amérique voilà, enfin, bah, du Nord, c'est quand même un, un coin où Trump est président, quoi. Voilà, c'est un mec qui a monté ça, des business. Absolument. Si ils arrivent à maintenir, à avoir une entreprise, ils peuvent. Euh... Absolument, absolument. Et, euh, et, et c'est ça qui compte vraiment, quoi. Ouais, ouais, c'est ouais. ça qui compte vraiment. Et donc ils ont, et donc il faut le montrer, éventuellement avoir une belle voiture, etc. Ouais. Euh, mais ça prouve aussi ton efficacité, quoi, mm -hmm. ton, ta capacité à à apporter du, euh, de, de la valeur ajoutée quoi. Mm -hmm. voilà. Qu'est-ce qui a fait à ton avis que alors que tu étais à l'autre bout de Outre-Atlantique, bah, tu es tombé amoureux d'une hongroise. Ça paraît curieux. <laughs> bonne question, bonne question. Alors bon, évidemment, bon moi j'ai, je suis arrivé, j'avais 32 ans, j'étais célibataire, donc j'ai ouais. un peu exploré euh, ce qu'il y avait à explorer là-bas. Mm. Donc c'est quelque Il chose de sexe. Bah, ce qui a pas été clair. <laughs> C'est ça, c'est ça. <laughs> Et, euh, je dis mm, les choses. Donc, donc j'ai rencontré des Québécoises. Ouais. Euh, j'ai rencontré... Alors, bon, évidemment, Québécois, maintenant, ça veut dire... Euh, ça, bon, quand je dis Québécoise, moi, c'est... Je pense à une, une femme qui s'appelle euh, Tremblay Côté euh, Gagnon, qui est blanche, d'accord ouais, Parce ouais, qu'il ouais. y a aussi mmh. des Québécois... Européennes, ethniques, bah, de culture bon, d'Amérique du, exactement, du exactement, Nord. Parce que, bon, il y a maintenant... Euh, euh, D'ailleurs, c'est très amusant parce que tu as, as, as par exemple, des, des Asiatiques que tu rencontres à Montréal. Qui ont des noms... Euh... Euh, quand une, une asiatique ouvre la bouche, tu sais pas si elle va être américaine, chinoise, ju, euh, chinoise juste débarquée, tu vois, du, du, du bateau, ou euh, français fran avec ou fran accent fran québécois, français avec accent <laughs> québécois, tu vois. Ah ouais. le, le, je crois que c'était un des premiers soirs où je suis arrivé à, à Montréal pour m'y installer après Toronto, euh, par ma coloc, enfin peu importe, je suis invité à un dîner et là il y a un gars à côté de moi avec une tête, tu vois, de de, de, ben de bonze quoi, genre de de, de de chinois mm -hmm. et il parlait. Euh, comme un Français du, euh, un paysan du, du 16e siècle, tu vois. Ouais, c'est euh, Tu vois, c'est ça. Donc, euh, mmh. euh, euh, donc voilà. Donc c'est donc donc je, on rencontre ce que ce qu'on peut rencontrer là-bas. Oui. Euh, je, disais je et puis alors bon. Euh, T as eu des aventures mais voilà, ouais, voilà des aventures et, mais en fait bon voilà euh, des, beaucoup de progressisme beaucoup, donc voilà en tant que tu vois de nation etc mm -hmm. euh, euh, souvent tu rencontres des femmes mais tu t'imagines pas passer ta vie avec hein, mm -hmm. euh, parce que voilà bon il y a beaucoup de Bon, il y a une femme, une fois, qui, qui me plaisait bien, euh, qui m'a dit ⁇ je veux pas d'enfant C'est Ce que je vais te demander, est-ce qu'il y a, comme en France, cette espèce ouais. de crainte ah ouais. d'être mère qui est quand même... Euh... Ouais, euh, il crainte. Crainte, ouais, y a cette crainte. En plus, c'est vrai qu'il n'y a pas une... Enfin, le... Les, la... la... Les aides pour les familles ont plutôt tendance à diminuer. Mmh. Moi, je n'ai pas expérimenté ça, mais j'ai un ami qui avait un, une, une fille qui m'avait dit que bon, le prix de la garderie était passé de 7 euros à 7 dollars par jour, à je ne sais plus combien. Mmh. Ah, bref, donc, ça va pas dans le, dans le sens dans lequel ça va, par exemple, en Hongrie. Mmh. Euh, donc, les, les, euh, donc, les femmes sont assez progressistes. Elles sont... Euh, euh, très matérialiste mm -hmm. aussi euh, voilà, vraiment il faut, faut avoir un pouvoir d'achat c'est ton pouvoir de séduction euh, c'est tout quoi hein. mais il y a matérialisme et matérialisme c'est à dire en fait c'est pas seulement qu'elles veulent un confort pour vivre et éventuellement une famille c'est qu'elles veulent des conneries quoi c'est ça, ça que le matérialisme ouais, oui, oui c'est ça, ça, ça oui c est, c est... Non, je suis d'accord y a, y a... On, on peut, peut l'entendre les, les, les russes sont très matérialistes c'est à dire ouais. elles veulent un homme un foyer quoi ouais. une bagnole qui roule bien euh, une maison que paye le mec, mais tout ça, in fine, c'est pour avoir une famille. Après, c'est ouais, si une matérialiste qu'il faut lui acheter des fourrures et tout et ça fait non, chier. non, 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 c'est le matérialiste dont tu parles de russe. C'est ça. Donc s'il faut, il faut, euh, il, il faut voilà, avoir. Euh, parce qu'en plus, bon, c'est vrai que euh, c'est peut-être aussi un réflexe lié à la, à, à, au climat, mm -hmm. parce que euh, il fait euh, moins 10 degrés, tu vois, pendant 6 mois de l'année. Ouais. Être clochard, c'est mourir en fait. Ouais, ouais. Clochard, c'est mourir. Donc, ouais. euh, donc euh, voilà, où est la cheminée, où est, où est la, <laughs> Alors tu sais où est le le F-150, alors là, c'est la classe, c'est le pick-up, tu vois. Ah, d'accord, ouais. C'est le, ouais. le char, ouais. c'est le pick-up. Le F-150, si t'es une... si un homme, quand tu as un F-150. Parce que, hein. que si t'as une Dacia comme moi, l'hiver, ça ne roule plus, ah, quoi. Ah, ah, ouais. Ouais. <laughs> Par exemple, moi, je vois, euh, bon, je, je travaillais à Montréal et je vivais dans le centre de Montréal. Et maintenant, il y a ce qu'ils qu appellent les communautaux, des choses comme ça. Donc, c'est le système qui te permet de ne pas acheter de voiture. Euh, ouais. Et donc de louer la voiture au besoin, voilà, euh, etc. Donc ça me convenait énormément. Surtout que quand il commence à neiger euh, à 1 mètre ou 2 mètres de neige, voilà, c'est l'enfer la voiture, mm -hmm. moi. C'est un enfer euh, pas croyable. Et donc, euh, voilà, moi j'étais fier de dire que j'avais pas de voiture. Mais j'avais pas, pas compris, quoi. Il y, y a rien. Il <laughs> était eu... encore dans ah une ouais, mentalité française. Donc voilà, c'était très matérialiste. Après, bon, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'avais compris que. Je voulais pas fermer la porte au retour. Mm -hmm. Et donc, j'avais aussi compris qu'il y avait un certain nombre de, de, de filles, de femmes que je pouvais rencontrer qui, euh, avec lesquelles je ne pourrais pas revenir en Europe. C'est ce que je disais au début, ça... c'est-à-dire que malgré tout, euh, avec tous les problèmes que ça comporte, tu es un Français de culture, un Européen. À un moment donné, tu t'es dit, je ne peux pas faire ma vie entière euh, hors d'Europe. Et tu as vu que les, locales, euh, les nanas locales avaient très ouais. peu d'envie. Ouais, elles n'avaient pas du tout l'envie euh, parce que ce qui fait rêver éventuellement une Québécoise, c'est la vie de vivre en Californie, tu vois. D'accord. Euh, ouais. euh, euh, bon, voilà, si tu lui proposes un projet en Californie, il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, mais bah, malheureusement, peut-être, hein, je ne sais pas, hein, peut-être que ça a évolué. En tout cas, bon, Paris, ça ne fait plus rêver personne. Quoi. Je oui, oui c'est sûr, la, la, mais oh, la France. Mais France sûr, hein. Donc, donc euh, bon, et puis. Mais, je voudrais même que les spectateurs comprennent, au-delà de l'aspect assez non sécuritaire de Londres ou Paris, il y a. Un non désir de découvrir l'Europe, oui. c'est-à-dire tu dis euh, on va aller à Prague ou à Bucarest, euh, les gens s'en battent les couilles quoi. Ça, en gros quoi. Ouais alors bon évidemment on fait des généralités, il y a toujours des explorateurs. Mais, mais, mais en tout cas ils vivent euh, certainement pas, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a toujours des Québécois qui adorent venir en France etc, ouais. euh, visiter le Portugal beaucoup. J'ai encore euh, bah, c'est peut-être euh, le Portugal. Mm -hmm. Passer des vacances en Europe, oui ils vivent. Oui. Non. Non. Ouais. Ah ouais. Pas question. Euh, D'ailleurs pourquoi pourquoi ils le feraient? il euh, un niveau de sécurité et euh, oui, ils, ont, et un à bon zéro, vie, ils euh... ont un bon niveau de vie. Ils ont un bon niveau de vie. Quand il y a besoin de soleil, bah, ils vont euh, en, en Floride. Ouais. Euh, voilà. Donc il y a pas. De, ils ont pas de raison de, de, de nous envier spécialement la je vie qu'on a. Hein. Euh, genre, je parle en, entre voilà, entre 2013 et 2019. La, mmh. la vie qu'on a en France, euh, voilà, ne fait pas forcément pas assez motivante. C'est euh, enfin, ouais. motivant, tu mmh. vois. Mmh. Euh, et tu m'as toujours pas dit pourquoi des allé avec une hongroise, quoi finalement. Oui, bah alors, si, bah si, j'y viens, j'y viens. C'est ouais. bon, voilà, je, je commence à comprendre que euh, il fallait plutôt que j'aille, re, je regarde du côté des européennes. Mm -hmm. euh, donc, voilà, moi, bon, les françaises, euh, ouais, j'en ai rencontré, mais euh, même topo à peu même, près que les, même, euh, même topo, les Québécoises. Ouais, Voilà, euh, bon, voilà, les, bon, disons que t'es pas parti de Paris pour les, les, les trouver nations, ailleurs, voilà, quoi. voilà, exactement, ouais. euh, donc pas beaucoup de nations françaises. Mm -hmm. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai rencontré. Après, j'ai voilà, j'ai rencontré une Québéco une Hong hongroise, et je tiens hongroise. Ouais. Mais oui, bien sûr, c'est possible de revenir en, en Europe avec cette hongroise. Mm -hmm. euh, et donc, euh, donc elle marquait des points. Mais bon, voilà, c'est une série de choses. Je, je l'aimais, euh, pas uniquement parce qu'elle était hongroise, ouais. mais bon, voilà, j'ai euh, réalisé que. C'est plutôt de ce côté-là qu'il fallait que je cherchais. Je cherche euh, une, une femme. Ceci étant euh, sans entrer dans le détail, elle avait un emploi là-bas. Alors qu'est-ce qui, quest qu l'a fait euh, tu, Comment tu as pu la motiver à repartir de là-bas Ouais, alors bonne question parce qu'en fait nous, on s'en sortait très très bien euh, mm -hmm. au Québec. Moi, j'avais une bonne situation. Euh, elle était euh, donc chercheuse dans un laboratoire de, mm -hmm. de biochimie dans une des meilleures euh, universités du monde hein, dans son domaine. Mm -hmm. euh, donc on avait euh, matériellement, on n'avait aucun problème. Euh, on aurait même pu avoir des enfants, etc. Euh, de son côté, je pense qu'elle a, elle a aussi, euh, elle avait un manque de l'Europe. Elle avait compris. Enfin, euh, on voyait les choses de la même façon. Oui, oui, elle, ça, elle, ouais. elle, elle, vous elle... aviez tous les deux une âme d'européen ouais, ouais, ouais. et vous vous sentiez pas à votre exactement, place. Euh, exactement. Euh, euh, du Nord. Parce que culturellement, c'est quand même assez pauvre, quoi. Ouais, euh, ouais, ouais. c est, c est... Voilà. Je sais pas. Moi, quand j'avais, euh... voilà, quand j'avais ans, je faisais mon, j'habitais Versailles pendant deux ans. Je faisais mon jogging dans le parc de Versailles. Mm. Voilà, c'est cette marque, quoi. Tu ne fais pas dire non à ça. Parce que finalement, euh, culturellement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Oui, oui, euh, on arriver, allait hein. on habitait à on habitait côté du musée des Beaux-Arts. On avait mm. besoin d'aller au musée de temps en temps, mm. voir quelques expos. C'est vrai quand France, même super tu es, limité tu hein. es tellement euh, aveuglé de beauté que ouais. tu n'as même pas le besoin d'aller au musée parce que tu vas dans un village tu vois quelque chose de beau ouais, en France exactement. donc simplement l'extérieur tu vois mais, moi j'ai vécu à Grenoble toute ma vie le centre-ville de Grenoble il est beau ouais. il, il est petit mais il est beau c'est vieux ça a 1000 ans euh, et tu te dis mais putain ouais. et c'est en partant de France que tu réalises que c'est pas normal ah ouais, absolument et, ça, et alors je me suis aventuré comme ça parfois dans des, euh, dans des euh, une fois je suis allé à Cochrane. c'est mm -hmm. un, un, un village dans le nord de l'Ontario, mm -hmm. donc à 10, 10 ou 12 heures de route, je me souviens plus, de Toronto vers le nord. Euh, donc euh, bah là, il y a un village de 5000 habitants mm -hmm. qui vivait du, euh, du bois, de l'assurance et de l'or. Mm -hmm. Tous les habitants se connaissent. Et en fait, pendant le, le voyage, donc on a traversé des, plein de villages. Il aperçoit que souvent, le, le le, le point central du village, c'est pas une église, c'est une station-service. D'accord, ouais, ouais, oui. c'est pour te dire, tu vois. C'est oui, oui, la, la pauvreté, c'est que le, tu t'aperçois que tu que es dans le centre du village parce que tu es à la station-service, quoi. Mmh. Donc, euh, donc euh, oui, c'est, euh, euh, c'est. Oui, c'est terrible. Quand tu n'es en France, tu pars du sommet et après tu ne fais que être déçu. Ouais, hein, ouais, absolument. Voilà, ouais. ça, 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 ça manque. Euh, ça manque énormément et donc. Euh, voilà, euh, j'ai envie de dire l'amour le, la, de l'Europe d'une certaine façon euh, euh, aussi bon bah, pour, 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 pour notre fille euh, on était un petit peu inquiet du, du système éducatif mmh. parce que bon ouais. donc elle est née à Montréal ta fille elle est née à Montréal et ouais. À, à la suite de ça elle vous avait, avez pris la décision donc elle euh... a vécu six mois à Montréal hein. d'accord ouais, ouais. ouais. donc euh, ouais. euh, voilà je suis arrivé à Budapest avec euh, ma fille dans les bras ouais ouais donc, tu es en Hongrie là depuis un an à peu ouais. près, un an et demi. Ouais, mm -hmm. Absolument, je suis en Hongrie depuis un an. Euh, bon, j'ai pas mal abattu de travail déjà depuis un an. J'ai monté une société. Ouais. Euh, j'ai acquis des clients dans, 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 dans l'informatique. Euh, donc voilà, j'ai régularisé tous mes papiers. Maintenant, je suis un. J'ai même, je pouvais même voter aux, aux élections européennes. Ah oui. Ouais. D'accord absolument alors donc tu n'as pas la nationalité hongroise non. mais en étant résident tu suis peux résident. voter ouais, je suis résident hongrois euh, okay. alors euh, je, je pense que les, alors ma femme a beaucoup aidé donc bon je n'ai pas forcément regardé les détails mais je pense que le fait que donc on a montré notre certificat de mariage mm -hmm. hein, donc le fait qu'on soit marié je pense que ah oui, ça, ça, joue, hein. ça joue énormément et puis voilà le fait que j'ai un passeport euh, EU également tu vois donc euh, on est passé à travers les, euh, les, les, les démarches à toute vitesse. Je comprends. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'était assez amusant, tu vois, de, de faire les démarches administratives. Euh, tu vois, d'aller dans les centres de, de, de administratifs, parce que j'en avais vu en France. Ouais. En Grèce, c'est pas la même chose. Tu vois. Euh, les queues sont toutes petites. Oui. Et euh, voilà. Donc, y a, y a, on voit bien qu'il y, y a une petite immigration. Euh, euh, et, et on n'attend pas des heures. Ouais, euh, ouais. Les gens ne se pressent pas pour venir est, en ouais, C'est euh... pas très engorgé. Euh, ouais, c'est ouais. super rapide. Euh, c'est voilà, ouais, ouais. intéressant comme expérience. Alors, un an, c'est à l'échelle d'une vie, c'est pas beaucoup, mais non. comment tu te sens ici euh... ouais Oui, bah, écoute, je me sens super bien. Alors, il y avait aussi, pas, je ne l'ai pas dit, mais bon, mm. euh, alors, y a, apparemment, depuis de, 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 ce que j'ai pu lire, c'est qu'une des trois raisons pour lesquelles les gens partent du, du Québec, c'est le climat. Oui. Et c'est vrai que le climat. Pèse au bout d'un moment, en fait, c'est surtout la longueur du, euh, de l'hiver. Ouais. C'est-à-dire ouais. que c'est l'exposition au soleil minimum. Quoi. Parce que finalement, qu'est-ce que foutent les gens l'hiver quoi au Québec bah, Tu vas fait, dans des bars tu... Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, ouais. bon, quand tu regardes de plus près, qu'il fasse moins 20 ou moins 30 ouais. ou euh, zéro comme à Paris, ouais. de toute façon, tu es dans le même bar. Tu mmh. vois, donc, tu n'as tu, pas, pas froid, Tu ouais, ne ouais. pas du, du froid, pas, pas vraiment. Est, mmh. Tout est organisé, il n'y a pas aucun problème de ça. C'est juste que la dernière tempête de neige, elle tombe. Possiblement encore, tu vois, en avril, tu ouais, vois, fin ouais, ouais. avril, et que tu, on voit pas le bout de l'hiver, mmh. et au bout d'un certain nombre d'hivers, euh, c'est sans doute le manque de vitamine D. J'en sais rien. Il y a un moment, euh, on a besoin de soleil, mmh. et, euh, et donc pour répondre à ta, après, à ta question, le, déjà le changement, c'est le climat quoi, le oui, oui, le, le printemps hongrois, euh, bah, qui est un peu équivalent. Oui, parce qu'en Hongrie, enfin, un, un climat plutôt tempéré. Ah euh, ouais, il ouais. ouais. y a même de, euh, oh, oui, il c'est, c'est comme je sais pas. Le, le, plus ou moins euh, le milieu de la France. Ouais, quoi, ça, ouais, ouais, tout à fait. Euh, ce sont des plaines. Euh, il fait. Euh, oui, il fait 30, je pense qu'il y a un taux d'ensoleillement, en tout cas, qui est euh, large. Alors, il super... peut faire froid l'hiver parce que c'est assez éloigné des mers, donc un climat un ouais. peu continental. Mais euh, rien de commun évidemment. Bah c'est avec le, le froid. Québec, tu... Après, tu. tu, de... ça. Non, tu mais je, dire, tu, tu là, je, là, je compare pas par rapport au Québec ouais. Je compare par rapport à la France. Ouais. Euh, souvent, quand je vais à Budapest, je suis étonné. Il fait doux, et plutôt bon en France. Puis hop, il fait un peu froid. Il faut une petite laine à Budapest ah ouais, ouais. Mais euh, mais par contre, c'est vrai qu'il y a le taux d'ensoleillement, ce qui est le plus important. Ouais. C'est ça, euh, c'est ça, bon ça qui est important. C'est le taux d'ensoleillement. C'est euh, au bout d'un moment, on, on peut. Et les Québécois eux-mêmes, hein. mmh. enfin, parce que euh, quand même, euh, dès qu'ils ont réussi dans leur vie, donc ils ont une, une entreprise qui tourne. Ouais. Euh, parce que moi, j'ai un pour, pour, une, pour mon, mon dernier travail. En fait, mes, mes, mes clients c'était des propriétaires de, de business, tu vois. Donc, ouais, ouais. Euh, des gens de 50, 60 ans qui avaient réussi dans la vie. Et, euh, et donc voilà, donc ces gens, parfois je leur téléphonais, ils étaient sur un golf euh, à Miami. Ouais. Et, euh, et donc voilà, donc ils se précipitent. Donc même pour un Québécois, au bout d'un moment, il y a quand même un manque de soleil. C'est ça qui est un peu difficile. Mmh, D'accord. Ouais. Ouais. Mmh. Et euh, au-delà de ça, euh, au quotidien, mais bon, toi, tu ne parles pas encore hongrois Non, pas encore. Ouais, C'est bah ouais. le moins dire. C'est une opération qui peut prendre beaucoup ça peut de temps. Prendre hein. du temps ouais, euh, ouais. Ça prend du bah, il faut, temps. Il faut investir et puis euh, du temps. Euh, et puis bon, tu pars de zéro. Euh, C'est ouais. sans pitié. C'est une langue euh, qui vient de l'oral euh, avec aucune. Alors, les sons sont, sont tous les mêmes que les nôtres. Ils ont tous ouais. les mêmes sons. Oui. Euh, ils ont le E, le e long E. Ils ont... Enfin bref, ils ont tous les mêmes sons. Donc, il n'y a aucun problème de prononciation. Mais euh, voilà, bon, y a, y a... Et, et, ouais, il y a. un problème de compréhension. Non, non mais, non, mais c'est ça. Ouais. Ouais. Là, écoute, en fait, tu peux. Euh, donc, si tu apprends bien l'alphabet la, hongrois, euh, tu peux le lire parfaitement. Parce qu'en fait, toutes les, les lettres sont lues. D'accord, ouais. ouais. Donc, euh, donc, tu peux avoir aussi un orthographe parfait. Mmh. Euh, toutes les lettres sont lues. En revanche, voilà, il n'y a pas un seul mot auquel se raccrocher. Mmh. Euh, y a pas, enfin, y a, rien n'est a... impossible, mais c'est un boulot. Quoi. Non, ça, ça, il faut, faut, faut prendre le temps. Euh, et voilà c'est préférable c'est certain c'est c'est beaucoup mieux ouais. euh, voilà maintenant j'arrive j'ai voilà, ouais, un ouais. business il faut que je fasse tourner euh, j'ai une fille il faut que je parle français à ma fille euh, prioritairement voilà pour qu'elle qu qu en pour profite qu les, les deux langues sinon... les deux langues donc voilà donc là le, ça va être un petit peu dur je ne mm. me vois pas parler en, parfaitement hongrois avant un certain temps quoi ouais, donc, ouais, euh... ouais. <laughs> comment tu définirais le quotidien ici la tranquillité le... Ouais, alors, je euh, euh, suis arrivé euh, dans ce village euh, il y a. Euh, donc en février. Ouais. En février, donc il y a 4-5 mois. D'accord. Voilà. Ah, ouais, ouais. euh, Avant, tu étais à Budapest À Budapest, dans ouais. le centre de Budapest, dans un quartier bobo. Je dis bobo parce qu'en fait, tout le monde a un chien. Tu vois, ouais, ouais, ouais. c est, c est des crottes de chiens partout, quoi, comme ouais, à Paris. Ouais, donc euh, ouais. ça, on retrouve. Il n'y a pas ça à Montréal. Ouais. Euh, euh, donc, ouais, donc la, la, la vie à Budapest. Euh, euh, bon, très très, viv très vivante très euh, euh, alors on se sent en sécurité mm -hmm. euh, j'avoue qu'on terre encore plus en sécurité au Québec en Montréal à Toronto ah oui. vraiment vraiment on voit pas d'où pourrait provenir le moindre problème mm -hmm. à Budapest un petit peu parce que, il y a... Vrai que on a oublié de dire un truc qui est c'est que en Europe malgré tout on a une police qui n'est pas très effrayante moi je sais quand je me fais arrêter aux douanes à part quand tu arrives en Russie, après c'est autre chose, mais même la douane roumaine, hongroise, tu n'as pas trop peur du douanier. Le douanier n'est pas impressionnant. Alors que tu me disais qu'au Canada, c'est comme aux États-Unis, ouais. le flic c'est un flic. Le quoi. flic c'est un flic. Ça quoi. veut dire quelque chose. Ouais, ouais. Et euh, euh, absolument. Ouais, Mine je... de rien, pour la sécurité c'est important. Oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Le, ouais. le, le, le flic canadien de base, il peut, comme je te disais, il peut gagner 50 000 à 60 000 par, par année. Donc mmh. il a un statut, il est respecté. Euh, tu et me donc, que, euh, tu me disais qu'ils se font draguer. C'est ouais, un fantasme eu, pour les femmes. Ouais, j'ai vu une, une scène à Toronto, tu vois, le, le soir, euh, donc il est tard, il y avait des, des queues de, de, devant des, des, des clubs, des nightclubs, des, des boîtes de nuit. Enfin, c'est comme ça qu'on dit. Euh, bon, on dit des clubs là, à Montréal. Si tu dis une boîte de nuit, euh, ouais, c alors, okay. une boîte. Ouais. dans la nuit quoi. comment ça se passe ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens <rire> <rire> euh, ouais. donc euh, euh, et donc j'ai vu voilà des, 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 des flics se faire euh, littéralement draguer par des, par des femmes tu vois ouais, d'accord de... ouais, donc voilà c'est pas un loser le flic mmh. et donc voilà donc je pense que ça joue beaucoup je pense également que la, la, la justice fait son travail ouais donc, euh, donc il n'y a... a pas de petite délinquance il y a et... peut-être moi aussi le phénomène euh, quand même qui est commun en europe centrale c'est L'homme ivre, hongrois, polonais, euh, peut être agressif quand même. Ouais, ouais, absolument. Ouais, ça, c'est un truc. Euh... Ouais, absolument. Ouais, ouais. ouais. ouais J'en ai, ai, ai pas trop souffert parce que j'ai pas eu le temps d'en souffrir ou quoi que ce soit. Ouais. Maintenant, c'est vrai que j'imagine ma fille euh, euh, à 16 ans, euh, voilà, déambuler dans Budapest. Ouais. Euh, voilà, je. Je serais quand même plus en sécurité qu'elle soit à Budapest qu'à Paris. Mmh. Euh, mais c'est quand même pas euh, Montréal. À Montréal, euh, une fille de, en mini-jupe à 20 ans, elle se promène à 2h du mat'. d'accord et franchement elle, elle prend aucun risque mmh. euh, donc il y, y, y a pas de problème oui donc euh, pour le reste la vie en, en Hongrie euh, bon on mange bien à Budapest mmh. on était à côté d'un marché euh, avec euh, voilà, approvisionné par tout plein de comment dire, de, de petits euh, producteurs ouais, donc ouais. On mangeait et vraiment vraiment très très bien à Budapest voilà, La vie est quand même plus accessible. Mmh. Euh, je je... Veux dire pour l'instant, euh, le bilan, c'est euh, que tu es content d'être là. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, absolument. Et puis, bon, après, c'est ce qu'il faut dire aussi. Donc, pour les gens qui pensent éventuellement aller au Canada, mmh. Bon, le Canada, c'est 7h30 d'avion. Euh, donc, le, le voyage est épuisant. Mmh. Euh, c'est relativement cher. Bon, même si finalement, le Paris-Montréal, Paris c'est quand, quand même accessible. Ouais. Mais. Tôt ou tard, si un jour euh, on s'établit au Canada et qu'on a une famille mmh. avec deux, trois enfants, et eh bien euh, voilà, on peut pas euh, revenir euh, régulièrement en France ouais, pour parce aller parce que, faire un coucou aux grands-parents. Ça coûte du pognon. Hein. Euh, voilà, c'est ça, c'est absolument. absolument ouais, ouais. C est, c est, c est, et donc euh, voilà que euh, tôt ou tard, euh, quand on émigre au Canada, il faudra à un moment choisir quoi, choisir. On ouais. reste ou on ne reste pas. Et mmh. si on reste, on risque bah, définitivement de se couper de l'orange. Oui, c'est vrai que. Avec mm -hmm. l'avion qui coûte très peu cher aujourd'hui entre les pays d'Europe, les gens se disent parfois, ils ont un peu des, des utopies. Ils se disent Bon, bah, c'est pas grave, je serai à New York ou je serai à Montréal, mais je reviendrai souvent voir les copains ouais. la famille. Ouais. On maintiendra le lien. Alors que non, il y a une rupture, c'est quand non. même deux mondes non, distincts. Non, absolument, absolument. Ouais. D'ailleurs, voilà, quand j'ai ben, laissé deux supers amis, ouais. donc euh, le russe et, et un anglo aussi, euh, voilà, ouais. qui qu vont me manquer. On s'est dit au revoir, voilà, on savait que... Euh, voilà, c est, c est, ouais, vous, vous en verrez quasiment là. Voilà, et puis en plus, on n'est pas du genre à passer notre vie sur Internet, à échanger des... Ouais. des, des... Donc voilà, on se reverra. Ça rend le lien, ça rend, enfin, le, lien, ça, ça rend le lien. Donc euh, il faut faire un choix à un moment. Il faut faire mm -hmm. un choix. Et, euh, alors j'avais rencontré un type euh, qui avait une, une imprimerie à Montréal, euh, un, un gars super sympa, un québécois qui a qui un patron d'une boîte, de, mm -hmm. euh, qui m'avait dit, quand je l'ai vu, il m'a dit, tu combien d'années 6 années, il me dit, c'est à la septième année qu'ils partent, les Français. C'est vrai Ouais, il m'avait dit ça et je partais à la septième. C'est fou Ouais, c'est marrant. Ah ouais. Il avait rencontré, voilà, il avait vu défiler dans sa vie, parce que c'était un vieux euh, un vieux gars, il avait, je sais pas, 60, 65 ans. Ouais. Il avait vu défiler euh, beaucoup de Français et euh, voilà, il sait qu'à la 7 septième année, ils partent. Quoi. Il y a eu une euphorie ah ouais, initialement, ouais. puis ouais. ça finit par s'estomper. Euh... Je recherchais un peu les stades, bon, je sais pas, j'ai pas vu grand chose d'intéressant, mais je pense qu'il y en a quand même 30 ou 40% qui reviennent. Voilà. D'accord. Ouais, ouais c'est bon à savoir. Bon, en tout cas, bon, euh, moi, je, je, je garde une expérience euh, euh, hyper positive ouais, du, euh, ouais. du Québec. Je pense que je suis devenu professionnellement quelqu'un au Québec. Oui, oui, oui. Ça a ouais. augmenté ta capacité de travail, de concentration sur un projet de... ouais, ouais, alors ben, disons que. Euh, bon, j'ai euh, bon, des études assez modestes tu vois j'ai fait un un, un dog scientifique mm -hmm. bon qui finalement ne donne rien hein, tu vois sur le marché ouais, du travail ouais. à un moment il faut savoir faire quelque chose tu vois ouais, ça. Euh, donc euh, là bas bon, tu tu euh, euh, ils se foutent royalement de ton. Euh, alors, ça, c'est des conseils pour, pour ceux qui, qui vont arriver là-bas, tu vois. Mm. Euh, euh, ton école de commerce, ils s'en foutent, tu vois. Mm -hmm. Ils s'en foutent parce qu'en fait, le, le, le patron de, du business, il va se dire OK, combien tu vas me rapporter C'est ça. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, tes diplômes, euh, j'en sais rien, tu vois. Mm -hmm. Alors, évidemment, bon, c'est des, des, des diplômes très reconnus. Bon, ça va aider. C est, c est, ils euh, ils ne mettent, mettent pas ça de côté. Oui, oui, oui. Mais ils, ils, ils vont. Euh, c'est des pragmatiques. Des ouais, pragmatiques, quoi. Vraiment... Ils vont voir. Et. Qu'est-ce que tu sais faire Ok, tu prétends savoir faire telle ou telle chose. Très bien, tu, tu rentres dans la société, mais si au bout de deux semaines, tu ne sais pas le faire, c'est dehors. C'est ça, ouais. C'est viré quoi. Un truc que j'ai remarqué aussi, euh, pour les différences finalement, parce que là, tu viens d'arriver en Hongrie, mais tu as vécu 6 ans quand même là-bas, donc tu connais 7 euh, ans en ans euh, hein. gros au Québec, ouais. Euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en France, les parcours euh, simples, euh, universitaires, très classiques, sont valorisés alors que euh, les américains et les canadiens valorisent euh, un parcours transdisciplinaire et moi oui. je sais que moi j'ai une vie qui est transdisciplinaire et chaque fois que je vois un, un, un américain que je discute parce qu'en ce moment je discute un peu avec des mecs de l'ultra américaine quand je leur dis mon parcours ils sont fascinés quoi ils sont, hop, Amazing, t'as fait de la philo, après t'as bossé avec un gonhumoriste, humoriste, après maintenant t'es nationaliste, t'écris des bouquins, c'est incroyable. Ah, <laughs> ouais. Alors que ici c'est bon bah voilà, si t'as pas euh, fait de l'école deux, et eh ben. Euh... Ouais, ouais absolument absolument et puis euh, et puis surtout il laisse ta chance tu vois, moi j'ai dans, dans la grosse société dans laquelle j'ai travaillé de, de, de vente de so de solutions informatiques. Euh, tu avais des français qui arrivaient, tu vois, des ingénieurs français euh, euh, super bons en informatique, mmh. très reconnus euh, d'ailleurs dans ce domaine. Le type, il arrivait comme simple ingénieur. Ouais. J'en ai vu un. Au bout de six mois, il était directeur technique de la boîte. C'est une boîte qui, fait, qui vendait pour 5 milliards de, 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 de solutions informatiques par année. Ouais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Au bout de six mois, a... tu es compétent. C'est ça, ouais. En ouais, haut ouais, quoi, ouais, vois, ouais. Euh, alors qu'en France, je dirais, il n'aurait jamais eu cette évolution-là. Mmh, Le type, il, 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 euh, je pense qu'il est rentré à 60K. Il était à, au bout de six mois, je pense qu'il était à 150. Ouais, ouais. Et après, il est parti chez un, parce que je connais son parcours. Il est parti chez un, un client de cette grosse société. Il était à un quart de million. Mmh, en, tout à fait. En, en un an, quoi. Donc, euh, vous voilà, donner gens un, un exemple sur un domaine que je connais moi, qui est le cinéma. C'est la même chose en France. Euh, Qu'on vous offre la possibilité de réaliser un film, c'est-à-dire qu'un producteur vous donne un budget et toujours une récompense d'une vie de l'arbin. C'est-à-dire, en fait, à de rares exceptions près, eu. à part si vous êtes un fils d'eux, vous allez pouvoir faire votre premier long métrage entre 40, dans le meilleur des cas, mais disons plutôt 45, 50, 60 ans. C'est une récompense. Et même si vous faites un film de merde, bah, vous avez l'âge, donc le CNC va vous donner des fonds que ça. Au états c'est pas du tout comme ça. Vous avez un bon scénar qui excite un, un prod, vous avez 25 balais, il peut vous lâcher 800 000 balles. Par contre, vous faites le film, et ça bide, vous êtes foutu ouais, ouais. <laughs> parce qu'après, quand vous allez voir un autre prod, vous dites qu'est ce que vous avez fait ah vous avez fait ce film il n'a pas du tout marché il ah bah, va falloir le motiver pour qu'il vous redonne de, de l'argent donc c'est vraiment dans le sens inverse quoi ouais ouais c'est euh, une industrie là bas c'est vraiment argent ou pas argent c'est simple ouais ouais, ouais c'est simple ouais. Est, -ce que, ouais. est ce que tu apportes de la valeur ajoutée à ma société euh, rapidement je vais établir des mesures tu vois ouais, des ouais. KPI comme on dit et puis euh, bah, tu vas rapidement savoir si tu restes ou pas tu vois ça, ouais, ouais. et si tu restes eh bien, c'est bon signe. Et puis après, si euh, euh, moi j'ai un, un, une bonne connaissance français qui arrive au Canada, ouais. euh, donc ça aussi c'était très intéressant, je pense. Euh, donc il arrivait, il avait un IUT en informatique. Voilà. Il s'est spécialisé dans, dans la sécurité informatique et, euh, et euh, il a écrit un blog où, mmh. où il décrivait, voilà, tout ce, tout, tout ce qu'il savait euh, dans mmh. le blog. Il est euh, devenu euh, du jour au lendemain responsable des services informatiques d'une grosse banque canadienne. Mmh. Responsable des services informatiques d'une, euh, bon, je peux le dire de Desjardins, mmh. une, une, une multinationale. Sous le colossal, quoi. Et, parce qu'en fait, ses diplômes, bon, ils étaient français, on ne sait pas trop, tu vois. Mmh. Euh, qu -ce que, parce que les, les, les Québécois, ils ne savent pas, ils veulent pas savoir de, c'est quoi ton diplôme Peu importe, c'est aucune importance. Par contre, si tu apportes des éléments de, de preuve, tu vois, euh, tangibles, mmh. Mmh. Euh, donc un blog euh, super bien rédigé avec plein de, 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 de choses intéressantes sur, euh, sur le domaine, le... eh bien ça c'est tangible. Mmh. Et là, ils, ils vont dire ok, on va essayer. Mmh. Et comme ils peuvent, bon, parce qu'il y a une flexibilité d'emploi, bon, ça après euh, ça se discute en France, mais moi je pense que c'est une catastrophe. Euh, que ça soit très difficile de virer quelqu'un, je pense que c'est une catastrophe. Mmh. Moi, ouais, ouais. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais en fait, moi, j'ai vu, je pense, euh, le bienfait de, de la flexibilité, tu vois. Bah, C'est-à-dire que pour les gens d'en bas qui n'ont pas beaucoup de diplômes et qui ont des boulots à la con, voilà. ce n'est pas très grave de pouvoir être viré vite tu peux retrouver de l'emploi rapidement. Exactement. Est ce que tu me disais, c'est que là-bas, ça va vite tu perds un job de, de serveur, en retrouves un d'après exactement, exactement. Comme, ouais. comme, comme l'employeur sait euh, que euh, il, euh, il peut te virer rapidement si tu ne mmh. fais pas, si pas l'affaire. Euh, voilà sur quelques éléments tangibles tu, vois, mmh. euh, tu dis bon euh, ok, t as, t as, tu parles de ton expérience ou éventuellement du blog etc. Ouais, ouais. Il va pouvoir t'embaucher parce que de toute façon euh, il va pouvoir te mettre à la porte euh, rapidement. Et au final je pense que dans tout le monde trouve plus facilement sa place bien sûr, dans, bien sûr. dans la société. Et il y a, y a ça moins Ça réintroduit de... l'idée du mérite, c'est ça. ça. Et je pense qu'on crée vraiment de ça en France, c'est que tout est verrouillé. Ah ouais. Alors, vous avez un système de protection sociale super, mais les gars, vous êtes propriétaire, le mec ne paye pas le loyer, mais allez le déloger Là, de l'appart en France. Mais c'est impossible. C'est impossible. 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 Il y a impossible. des gens, ils restent 20 mois. Ah ouais, incroyable. Dire, hein. Au Québec, d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, tu loues un appart, euh, tu donnes... Comment euh... j'avais loué des appart il bah, n'y a pas de dossier ouais, ouais, a, ouais. bon en même temps bon c'est quand même pas euh, le marché de l'immobilier de, de, de Paris c'est vrai c'est très, euh, hein. ouais, très bouché mais c'est très bouché mais bon pas de dossier euh, deux mois de, de loyer euh, parfois en cash sous la table mmh. c'est fini ouais, 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 ouais. Euh, et, alors bon après je pense que personne joue trop euh, à à rester squatter dans un appart, tu mmh. vois, ce que je pense, il n'y a pas ce type de personne trop en euh, au Canada. Oui, mais disons que c'est un cercle vertueux. Ouais, c'est un cercle vertueux. Euh, et puis bon, je, pense, je franchement, si, si tu squattes dans un appart sans payer ton loyer, ouais. tu vas au devant de gros problèmes. On parlait des, des cops tout à l'heure. Ouais. Ouais, ouais, mais même, je pense que bon, après, il y a il euh, y a aussi des bon le Québécois, euh, il va s'entendre avec son voisin. Euh, oui, oui, oui. Il y, a, il y a une communauté. Il y a une communauté, donc il va venir avec des et gros puis, bras. Attendez, et il va tout euh, rappelons l'essentiel le laxisme judiciaire en France, sauf évidemment pour les pensées non conventionnelles comme les nôtres. Ouais. Mais en dehors de ça, en France, euh, quand vous savez que vous ne risquez rien, et eh vous n'avez pas peur ouais, dire, le mec il ne paye pas son loyer quoi, il ne va pas faire de tôle. maintenant on vous dit vous ne payez pas vous allez faire 50 prisons bah, vous allez trembler du genou ouais, bah, ouais, ça n'a rien à voir donc c'est très important en ouais, fait ouais, la ouais. justice ouais, absolument absolument. Euh... alors bon moi je parle de ce que j'ai vu évidemment je veux dire euh... bon, ouais, c'est une expérience d'un homme tu vois mmh. donc euh, je ne peux pas faire de généralité mais bon j'écoutais beaucoup les québécois d'ailleurs moi je n'ai rencontré presque aucun français mmh. bon, à part à la fin euh, parce que j'ai rencontré Anasio. Ouais, ouais, ouais. euh, mais pour le reste, je fuyais les Français. Quoi. Plutôt, ouais, d hein. euh, parce que bon, j'étais dans une démarche d'intégration, d'assimilation, etc. Hein. Donc, mmh. euh, dès le départ, alors que c'est vrai qu'à Montréal, il y a un parcours français, franco-français, il mmh. euh, y a une communauté, euh, tu peux... Euh... Ouais, c'est carrément un monde, ils ont créé ouais, un ouais. monde à eux. Il ouais, mmh. ouais, y avait euh, 57 000 personnes appelées à voter en 2017 euh, aux élections. 57 Et là, on, on va dire un chiffre très... Et euh, donc euh, 9 sur 10 ont voté Macron voilà voilà donc ça c'est les français c'est les français qui c'est ça euh... que c'est je fais un, un, tout, un, toute la petite communauté qui me regarde euh, quand vous êtes à l'étranger et que vous dites oh ça sert à rien de voter en France euh, n'oubliez pas que ceux d'en face ils votent ouais ceux d'en face ils votent où qu'ils soient dans le monde ils vont trouver une ambassade ils vont voter sur internet mais ils vont mettre ce putain de, de bulletin cosmopolite et si vous vous mettez pas à côté le bulletin Quoi qu'on pense de Marine Le Pen ou autre, mais encore, on va dire, si vous mettez pas le bulletin euh, qui fait face, eh ben, eux ils voteront. Il ouais. faut jamais oublier ça. Ouais, c'était mobilisé contre contre le fascisme. Ouais. Alors bon, j'écoutais un petit peu les les, 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 euh, les radios francophones. Bon, c'est une catastrophe, quoi. ils, mm -hmm. bon, ils invitaient uniquement. Enfin, ils ont pas, je pense pas euh, avoir entendu une seule fois un Français. Euh, bon, à l'occasion de ces élections, ouais, voilà, ouais. il y avait évidemment les, les, les médias locaux qui voulaient euh, entendre du français. Bon, j'ai entendu qu'une seule qu'un seul moment. Ils ont pas, ils ont pas, ils ont trouvé Ils ont, ont pas, pas trouvé Zemmour, Zemmour Ils ouais, ont pas trouvé de nation. Ouais, bon. Euh, ouais. Après, j'ai aussi vu des choses. Euh, euh, j'ai vu devant moi dans la queue pour aller voter. J'ai vu donc euh, euh, des Français, donc des, des, des parents d'un certain âge, qui venus, des Français qui étaient venus, qui avaient eu des enfants, des enfants qui étaient déjà en âge de voter, qui étaient français de papier, mais qui n'avaient pratiquement jamais vécu en France, quoi. Mmh. Et donc ils allaient voter, euh, euh, voilà, qu'ils allaient, euh, qu allaient voter, ne connaissant pas du tout les problématiques françaises, quoi. Ouais, ça m'a un peu gêné. C'est un, système, moi. Qui est ouais, absurde est un quoi. système qui C'est Un système qui Donc euh, voilà, où j'allais avec ça, bon, euh, voilà, donc les Français euh, de, euh, qui sont là-bas, bon, c'est beaucoup des bobos. Mm -hmm. Voilà, donc vraiment un poison. Donc là, en Roumanie, en Roumanie, pendant euh, <laughs> je confonds avec ma vie. Euh, en Hongrie, tu es installé avec ta femme. Voilà. Tu as une fille ici. Et souvent, ce que les gens me demandent, c'est c'est bien beau l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, mais comment on vit ici Bon, ta femme a un boulot. Toi, tu as une activité sur Internet. Tu arrives à guerre. À... Oui, enfin, j'ai une activité euh, relative à à, à des services. Je propose des services informatiques. D'accord. Donc euh, beaucoup de choses se font à distance. Euh, j'ai des clients voilà au, au Canada. J'en ai euh, en dehors de la France. J'en ai en France également. Donc voilà. Donc euh, c'est sûr. Alors c'est sûr que pour euh, émigrer dans de bonnes conditions, euh, c'est mieux d'avoir. Euh, bon, déjà de parler l'anglais, ouais. quoi qu'il arrive, même si on vient en Hongrie, bon, de toute façon, il euh, bon, faudrait idéalement parler le hongrois. Mais bon, euh, parler l'anglais dans un premier temps, ça peut. Pour beaucoup... entendre une entreprise, parler anglais, ouais, c'est. absolument, ça peut beaucoup aider. Euh, euh, avoir éventuellement, alors justement, l'informatique, c'est génial pour ça, c'est que tous les systèmes d'information. Euh, euh, occidentaux en tout cas euh, ou même dans, dans le monde entier repose sur les mêmes technologies. Mm -hmm. Donc si tu sais faire des choses euh, euh, en France dans, dans l'informatique, ouais. même, euh, ces mêmes besoins c est, c est, sont, sont, sont présents. Tu partout sais coder ailleurs. en France, tu sais coder tu, en... Tu sais en Java, en PHP, bah, c'est le même. Mm -hmm. Donc euh, si tu arrives par exemple au Québec ou même en Hongrie avec ces, 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 euh, ces connaissances-là, mm -hmm. bah, euh, voilà, tu vas immédiatement trouver des, ta case. Alors pour le reste, il euh, y a... Euh, en Hongrie, alors euh, des, euh, des usines, beaucoup d'usines dans, dans le domaine de, de, de l'automobile, la, de, de etc. Donc j'ai rencontré euh, ici des ingénieurs français mmh. euh, qui sont des ingénieurs dans, dans des spécifications, enfin dans des, dans des métiers de, 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 euh, de, de, qui sont relatifs à l'industrie, on va dire. Mmh. Hein. Euh, et aussi, il y a d'autres types de, de, de métiers. Alors pour les, les gens qui ne savent pas parler autre chose que le français, mmh. eh bien, il y a. Euh, des grandes sociétés, euh, voilà, Google, euh, des multinationales, qui ont des help desks, comme on dit, des, des, des services après-vente, des, des métiers au téléphone, mmh. euh, voilà, sous-payés, mmh. euh, voilà, qu'il est facile de, de, de trouver. Mais bon, il suffit de taper. Euh, euh, job French euh, dans Monster dans Monster euh, Monster ouais, c'est ah. euh, un, un site bon maintenant c'est peut-être autre chose mais mm. c'est un site de, de comment dire de euh, de recrutement mondial tu vois tu oui, oui. bon tu, tu Job French Budapest job, euh, et tu vas French, Budapest, et tu vas trouver donc il y aura tout plein de voilà, de, de jobs qui sont mm. ce qu'ils sont, c'est-à-dire euh, au téléphone, euh, en service après-vente, en... Des boulots euh, pénibles, laborieux, mais qui te permettent pas pénible, quand même de survivre. Disons que tu passes, euh, je pense, des boulots qui t'amènent à passer 8 heures derrière un, enfin, au téléphone derrière un ordinateur, ouais. euh, à raconter la même chose, mm. euh, et sous payé mm. parce que c'est sûr que s'ils sont en gris, ces jobs-là, c'est parce que... Et, 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 voilà, parce bien, que sûr, le, bien sûr, bien ouais. le, sûr. Le, 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 le salaire moyen en gris, c'est 300 000 forints, donc c'est 1000 euros. 1 euros, d'accord. Mm. Le salaire moyen qui a énormément augmenté. Ah, c'est beaucoup en fait, 1000 euros, je m'attendais à moi. Hein. Oui, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais, c'est moi aussi. Ça, ça a beaucoup augmenté. Euh, il augmente euh, de façon vertigineuse. vertigineuse le, ouais. Ouais. Mmh. Euh, les loyers également, euh, l'immobilier également. Mmh. Euh, donc voilà. Ouais. Et alors, donc il y a de l'espoir. Vous avez dit hein. au, au début de l'année un bond de 20% au niveau de l'immobilier ouais, sur Budapest. Au premier Buda. trimestre 2019, un, un bond de 20% de, euh, dans, dans l'immobilier euh, en Hongrie. Donc je, je pense que bon, bah, c'est lié à des investisseurs mondiaux qui arrivent. Oui, oui d'accord. Mais vous avez vu, hein, quand il y a 3-4 ans, on vous disiez d'investir en Hongrie. Euh, ah, bah, c'est ouais, déjà. Euh, bah, C'est-à-dire maintenant il faut un autre budget quoi, ouais. pour investir parce que ça va continuer de monter. Il euh, y, y a deux situations. Il y a le Budapest ouais. et le reste le de l'Hongrie. Ça monte moins vite dans le reste, évidemment. Absolument, absolument. Ouais. Dans le reste de la Hongrie, franchement, euh, je veux dire, euh, à Kolocha, pour 10 000 euros, tu as une maison. Ouais, ouais, ouais. Pas, pas trop mal, toi. Donc pour 100 000 là, ouais. euros, tu as un palace. Mais je suis étonné parce que tu me dis de, du salaire moyen, c'est pour vous dire à quel point il faut que vous, les gens qui ont 30-40 ans. Comme moi, vous avez vécu dans l'idée que l'Europe centrale, c'est pauvre, c'est pauvre, que la France, c'est riche, c'est riche. Bon, excusez-moi, mais le salaire moyen en France, c'est quoi C'est 1004. Hein. Ah ouais, on on sera... est à 1000. Ils arrivent, ils arrivent. Euh, euh, voilà. Ah, non, ah, mais voilà. Ah, c'est euh, clair. C'est clair. Vraiment, les clichés sur le même au sein de votre famille. Euh, relayer ces informations. Les clichés. Alors l'Europe de l'Est, c'est différent. L'Europe centrale, Pologne, euh, Hongrie. Moi, le niveau de je le vois augmenter constamment. Ouais. Chaque fois que je viens, j'y tiens, c'est mieux. Euh... Alors, les, les deux grands pays investisseurs, parce que j'ai regardé un petit peu euh, dans les documents du, euh, de l'ambassade, enfin bref, je, du, du consulat, bref, les deux grands investisseurs mm -hmm. en Hongrie, c'est de très très loin l'Allemagne et les US. D'accord. La France, bien, bien, bien loin. Quoi. Tiens, non. Ouais. Pourquoi ouais. ils focalisent il sur l'Hongrie comme ça euh, non, j'en sais rien. Enfin, c'est juste un fait, c'est que en fait, euh, mmh. voilà, ça, 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 ça montre que bon, les investisseurs, c'est euh, des, so des euh, les gros investisseurs sont allemands et, et euh, américains. Donc voilà, si tu parles l'allemand, si tu parles l'anglais ouais. euh, voilà, tu as, il y a des augmentes tes chances de trouver un, un, un travail, c'est certain. D'accord. Ouais, euh, ouais c'est mais c'est mécanique quoi. Alors, il y a aussi un, un phénomène qui, alors, je sais combien de temps ça va tenir, c'est que malgré les salaires qui augmentent, le coût de la vie n'augmente pas trop. Bah, bah moi, je, parce que toi tu n'as pas trop d'éléments de comparaison, moi je viens régulièrement en Hongrie depuis 2014-2015. Les gens ont plus d'argent mais la vie ne coûte pas beaucoup plus cher et ça c'est incroyable. Ouais. C'est ça que c'est ceux qui ont la possibilité de s'installer, c'est quand même le moment euh, parce que vraiment je moi je vois pas trop dans les restos et tout, ça reste abordable par ouais, rapport à ce qu'on ouais, connaît ouais, en France. C'est certain, c'est fabuleux ah, ouais, c'est fabuleux. Ouais. Mm. Ouais, euh, quand je vois ce qu'on peut acheter euh, sur un marché euh, euh, et la qualité de ce qu'on peut acheter sur oui, un marché à, à Budapest euh, franchement euh, avec 30 euros, mmh. tu fais un casse quoi. Ouais, 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 quand ouais. Tu fais un casse. <laughs> euh, non, c'est incroyable, tu vois. Euh, donc de ce point de vue-là, c'est ouais, c'est vraiment très intéressant. Il y a, tu auras sûrement un. un, un alors, si es payé avec un salaire hongrois, mmh. c'est 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 ricrac quand même, mmh. c'est Mais dès lors que tu à, à à avoir un, un salaire français, ouais. même pas forcément parisien, tu vois, bah déjà tout de suite, c'est confortable. Et puis, si tu as un bon salaire, euh, après un salaire parisien, c'est encore plus confortable. Et puis maintenant, si, si tu, vraiment tu gagnes bien ta vie, mmh. voilà, c'est la vie de château. Hein. Je te dis, pour, clair, hein. pour 100 000 euros, mmh. tu fais construire un palace ici. Hein. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc euh, ça, c'est pas mal. Euh, c'est pas mal. Alors, ça passera probablement par, euh, voilà, il faut rencontrer euh, une deuxième moitié hongroise, parce mmh. que. Euh, Bon, je... Ah, tu dire, l'installation est ouais, quand même. Pour en... l'installation, il bon, y a quand même pas mal de choses qu'on peut difficilement faire si on ne parle pas le hongrois. Mmh. Oui, ça, de manière un peu étonnante. Euh même si c'est un pays tourné vers l'avenir, euh, dans les administrations, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais ouais. encore. Ouais. Et donc, euh, ouais donc ouais. ça, ça peut être un verrou. Euh. Ceci dit, après, tu peux peut-être passer par des agences qui t'aident. À... Oui, alors, euh, donc, bon, si, si je devais faire des démarches, il euh, y a trois possibilités. Ouais. Si, si tu, tu n'étais pas avec une femme hongroise, ouais, comment ouais, déjà, tu ferais donc, Alors là, il n'y en a plus que deux. Ouais. <rire> <rire> donc, euh, euh, je paye un avocat. Mm -hmm. Donc, il euh, y a des sites web, des sites internet d'avocats qui, euh, qui décrivent leur offre très, très clairement mm -hmm. avec leur prix. Je pense que euh, voilà, pour monter une, une société, c'est 500 euros. Pour, euh, pour faire telle ou telle démarche, voilà, c'est 250 ici, mmh. 250 là. Je pense que tu fais l'ensemble des démarches pour 1000, 1500 euros. Mmh. Hein. Euh, ou ou, ou euh, l'autre la, possibilité, euh, bah non, mais il n'y en a que deux en fait. C'est avoir oui, une femme hongroise. Ouais, autrement, non, non. Autrement, euh... Peut-être une troisième qui te reviendra plus tard. Oui, ou... peut-être une troisième qui reviendra pour plus tard. Je pense que c'est à quoi euh, non, je n'en vois pas. non Je vois pas. Okay, okay. ouais, okay. <laughs> euh, pas c'est Parce que les documents, euh, tous les documents administratifs, euh, les sites web de, de l'administration, c'est euh, l'équivalent en France, je sais pas s'il y en a un équivalent. Enfin bref... Préfecture, tout ça ouais, euh... parce que, là, tout ça, c'est même pas traduit en anglais. Oui, d'accord. Il ouais. y, y a aucune ouais, chance. En particulier tu peux, quand tu sors de Buda. Euh, ouais. Absolument. Donc tu peux faire un, un Translate Google, maintenant il traduit ouais, tout le site. Ouais, web ouais, ouais. Non, non c'est un petit peu juste quand même. Ouais 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 parfois euh, ouais. Suffit il suffit qu'il soit pas bon sur un mot tu ouais, ouais. prends le contraire. Ouais tu prends le contraire c'est ça petit peu emmerdant. Donc hein. les démarches administratives quand même assez difficiles. Euh, ouais, il faut quand même des hmm. il faut s'aider. Euh... Ouais en gros c'est c'est jouable. Hein. C'est un pays où il y a des opportunités où il y a une douceur de vivre. Mais la connaissance de la langue est fortement recommandée. Oui, ouais, absolument. Mmh. Bon, et puis après, bon, c'est aussi une question de politesse. Il y a un moment. Euh, bon, c'est une question qui. Enfin, ça va être dur pour moi. Hein, ouais, parce, ouais. Euh, apprendre le hongrois. Euh, pff, ouais, ouais, ouais. Mais euh, ouais, il faut quand même faire des efforts. Faut, faut, de toute façon. Mmh, bien euh, sûr. Alors, il y a un autre point aussi incroyable. On en a parlé tout à l'heure dans la bagnole. C'est qu'actuellement, grâce au, à Orban, il y a une politique nataliste ici. Ah ouais. Et euh, tu me disais que quand on a quatre enfants. En Hongrie et qu'on est résident hongrois ou ouais. nationalité hongroise, eh bien on ne paye plus d'impôts. Absolument, on ne paye plus d'impôts. Alors donc, toutes les aides d'Orban de, de, de s'adressent ouais. à la classe moyenne qui travaille. Parce mm -hmm. qu'en fait, c'est des dédu déductions d'impôts. Ouais. Parce que euh, ce n'est pas pour les. Euh, et les, euh, ouais, les, les, Romains, les Roumains, les, les, comment, comment, les, les, les Gypsies, enfin mmh. les Roms, mmh. qui travaillent pas. Il faut, il faut payer des impôts pour bénéficier de Ce n'est pas un système d'allocation, c'est on va t'enlever des impôts ouais, si tu fais des gosses. Exactement. exactement. Ouais. Donc, donc, donc il faut travailler pour mmh. bénéficier de tout ça. Mmh. Et et, euh, et c'est quand même assez généreux au quatrième enfant il n'y a plus d'impôt mmh. euh, alors plus d'impôt c'est tout, toutes les c'est dégressif ça se réduit à chaque gauche ouais, alors donc c'est euh, moins 10 000 forint euh, sur euh, le premier enfant moins 30 000 j'ai vu la grille il y a peu de temps là, moins 99 au 3e, euh, 90 000 99 000 forint par mois au troisième enfant plus d'impôt du tout au quatrième enfant ouais. 99 000 forint euh, 99 000 forains, ça doit faire euh, quelque chose comme euh, bon c'est pas énorme mais bon ça met... il faut en rapport le rapport, en, au rapport au, au voilà, salaire au salaire ouais, et tout, ouais, ouais. Parce que le salaire moyen, c'est 300 000 francs. Ouais, ouais. Ça donne une idée quand même. Ah oui, donc si t'enlèves... enlèves. Ah, euh, oui, ouais, non, c'est beaucoup. Alors il n'y a pas que ça. Il y, y a aussi euh, le prix des crèches aussi, qui le est faible. Le prix faible. des crèches, ouais. je, paye, je paye 15 000 francs pour. Euh, on, a, par on, a, mois. on a comparé, sans entrer dans le détail, hein, en Roumanie, je paye 4 fois plus que lui. Alors que la Roumanie est un pays plus pauvre, ouais. mais il n'y a pas actuellement de politique nat nataliste en Roumanie. Ouais. Eh bien, je paye beaucoup plus que lui à la crèche parce qu'ils font des ouais. efforts justement pour que les, les gens aient des gosses. Absolument. Et. Euh, et une crèche de, de, de grande qualité que de qualité que j'ai pas vue forcément à Montréal c'est-à-dire ouais, ouais. euh, un énorme jardin enfin voilà des, ouais, des euh, de l'espace euh, de... beaucoup de dire, de personnel par enfant enfin un bon taux de personnel par enfant enfin bref mm. euh, j'ai vu la crèche <laughs> j'étais super heureux quoi content, ouais. euh, donc donc voilà et puis après il y a d'autres avantages hein. tu peux euh, donc euh, euh, emprunter 10, 10 millions de foreins mm -hmm. euh, en simplement euh, faisant mais le cerveau... Mais ce n'est pas l'euro, le, donc ouais, ça, va être, ça va être le bordel dans votre cerveau. il ouais, bon, bon. faut juste faire la conversion. Ouais. Hein, c'est euh, euh, 320... Euh, il faut 320 forints pour faire un euro. Bon, ouais. voilà. euh, euh, donc, tu peux emprunter 10 millions de forints. Mm -hmm. Et si tu t'engages à avoir un enfant, tu payes pas les, in les intérêts. Tu t'engages à avoir deux, deux enfants, tu ne tu rembourses que la moitié des 10 millions de forints. cest à trois enfants... 10 mais millions de foraines, emprunter... mais Les emprunter pour avoir une maison, par exemple ou... euh, Alors, c'est pas forcément. Alors, il y, y en a un, 10 millions de foraines, qui sont liés à un, à, à, un investissement immobilier. Ouais. Et il y en a un autre, 10 millions, qui sont comme ça. Hein. Non, arrête. Ouais. Ouais. Bon, c est, c est, quand tu regardes de 10 millions de ce c'est pas non plus bon. Ouais. Mais ça a rapporté. Attends, à, salaire... mais je vais diviser par ouais, 340 euh... parce que je veux savoir combien ça fait. 320. Quoi. 320. Par 320, ouais. Alors, 10 millions par 320. Ça se trouve, je vais être déçu. Ça va être un score tout bah, petit. bah euh, ouais, quoi. ça fait pas. Voilà, ça fait ça fait pas rêver quoi, mais. Euh... Si t'habites à Paris, ça te fait rire quoi. Ouais, 30 000 euros, quand 30 même. 000 euros quoi. Ah, quand même ouais, quand ouais. même. Ouais. Donc, t'es de nationalité hongroise, si tu as deux enfants, on peut te donner 30 000 balles. Absolument. Euh, non, alors, non, non. non si tu empruntes 10 millions de forêts ouais. premier enfant, tu ne payes pas les, les intérêts. D'accord. Deuxi Deuxième enfant, tu rembourses que la moitié. Ah euh, oui, pardon, excuse-moi. Oui, Excuse ouais. Ouais, non, oui, ouais, 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 ouais. euh... Et trois enfants, tu rembourses trois, pas. En... Euh, trois enfants, tu ne rembourses pas. ouais, ouais. Wow. Ouais. Ah non, mais là, je... euh, Pas mal. Mettez pause et réalisez ce que ça veut dire sur la politique en train de mener Orban. C'est exceptionnel. Ouais, c est, c est, c est... ouais, il est à fond là-dessus. Là, vraiment, il fait le boulot. Il fait le boulot. Ouais, boulot, ouais. boulot ouais. euh, C'est l'inverse. Il, il, il prend le. le, le... Il fait l'inverse. Il faudra, il autres, le... Ouais, clair. Il faudra ouais. voir le résultat dans 5 dans ans sur la, ouais. les, les, les rapports de natalité. Ouais, euh... alors je te parle même pas. Il y en a un autre. C'est euh, pour l'achat d'une voiture de 7 places. Mm -hmm. euh, il te donne 2.5 millions de forints. Voilà. une euh, donc si, si tu as des, si as suffisamment d'enfants bon, je connais, tu peux acheter il te donne millions euh, 2.5 millions de forints pour l'achat d'une voiture cette place on aussi là tu vois d'accord ça concernait les résidents hongrois ou les gens qui ont une carte de travail euh, de euh, ou est-ce que c'est pour les gens qui ont une nationalité hongroise je ne sais pas je ne sais, je sais, pas. sais, pas. Je, je sais pas à quoi c'est conditionné mm. euh, c'est sûrement enfin euh, oui je pense qu'il faut être hongrois ouais. Ouais, ouais. il faut qu'il y a au moins j'imagine mais bon je ne sais pas donc quoi qu'il en soit ça en dit beaucoup sur ouais, la ouais, santé du pays absolument. et sur la direction qu'ils sont en train de prendre ouais. c'est très positif pour des gens qui comme nous veulent bâtir euh, le foyer européen quelque part hein. absolument oui et puis mm. c'est un incitatif c'est sûr que euh, donc euh, avec ma femme on a choisi de revenir en Europe ouais. euh, clairement on, on avait les deux options sur la date. Euh, la France ou la Hongrie même on pouvait choisir euh, d'autres options parce qu'en fait mmh. je, euh, par mon travail je peux travailler à distance oui. euh, du moment que je suis à quelques heures d'avion de Paris il n'y a aucun problème euh, ma femme elle est dans un milieu euh, donc de chercheur en biochimie donc il euh, n'y a aucun problème également pouvait, mmh. on a choisi la Hongrie bon euh, où est-ce que je voulais en venir ben, je voulais dire simplement que oui, bon, ce sont des incitatifs Quand, qu faut quand faut tu remets dans la balance, tu vois ces, ces possibilités. Ouais, tu, tu vois, bon, bon, euh, hein. euh, c'était euh, déjà, d'ailleurs, dans les dans les placards. Ça a été voté il y a peu de temps. Hein, je veux sais pas, euh, c'est pas si vieux tout ça. Donc, euh, c'est certain que ça aide euh, à prendre des décisions. Euh. D'accord. ouais D'ailleurs, il y a pas mal de Hongrois qui reviennent. Alors c'est quand même un pays qui souffre énormément de d'émigration. Oui, oui comme, comme beaucoup de pays ouais, d'Europe ouais. centrale et de l'Est, ouais. euh, ouais. c'est vraiment un pays... Ouais. Euh mais ceux qui reviennent, voilà, ils, ils reviennent et s'installent définitivement. J'ai eu l'occasion d'en parler avec des, des jeunes couples. Oui, oui. Euh, oui voilà. tu, on, dis, on disait tout à l'heure à table qu'il n'y a pas forcément une circulation des informations, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au courant à quel point c'est difficile de vivre en France pour la raison qu'on sait. Par contre, quand ils y vont, euh, ils n'ont ils, voilà, voilà, ils ils ont pas de mal à faire le rapport. Quoi. Ouais. Et après, quand ils reviennent, en, en général, ils sont plus attachés au pays, euh, ils veulent y rester. Oui, absolument. Mm. Bah, c'est très bien tout ça. Alors, le bilan, je dirais, c'est que tu m'arrêtes si je me trompe. Ouais. Pour un jeune qui a 20, 25, 30 ans, le Québec, c'est bien pour deux choses. C'est pour s'amuser, c'est-à-dire quitte à faire un Erasmus ou un truc étudiant, autant vivre l'expérience comme ça là-bas, de la, de la joie, de la fête avec la sécurité. Et également pour les gens qui ont une d'entrepreneur, euh, qui veulent euh, gagner du fric assez vite et qui ont un projet, euh, en Amérique du Nord, c'est plus simple, on va dire. Ouais, c'est exactement ça. Euh, euh, c'est les deux choses qu'on que, qu va chercher en voilà. Amérique du Nord. Euh, enfin, à Montréal, c'est de la, 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 je veux dire, la, la joie de vivre, enfin, la, la, la possibilité de s'amuser, et puis euh, aussi les possibilités de, de, de monter des projets ouais. très rapidement. C'est très facile le fait de monter une, une boîte. Euh, c'est très, très dynamique. C'est quand même pas la Californie, mais bon, euh, c'est pas mal par rapport à la France. Oui, c'est à conseiller. Par contre, il ouais. faut le dire que... Il euh, y a une barrière culturelle malgré tout. Il y a tous. une barrière culturelle. On est sans mais... cesse quand même dans, dans l'adaptation. Ouais. Euh, voilà, il faut, faut vouloir faire cet effort. C'est con est, est constant, c'est tout le temps. Mm. Euh, on peut vivre avec des Français aussi, c'est possible, pour euh, atténuer ça. Mais bon, ce n'est pas, pas le but de l'immigration de, de quand même. Bien sûr. Ouais. Et, euh, et puis bon, il bah, y a le climat. Et puis, quoi d'autre il faut savoir, alors ça c'est le piège. Quand vous allez là-bas, et eh bien euh, si vous rencontrez un partenaire, euh, voilà pour euh, de vie, mm -hmm. et eh bien il faut, faut savoir que euh, si il est de là-bas, euh, probablement il y aura pas de retour dans des de conditions retour, très difficiles. C'est un, donc, en fait, un euh, abandon en fait. Ouais, donc, quand on choisit son partenaire, vous, voilà, exactement. Quand mm -hmm. on son partenaire, faut bien comprendre le, où, où enfin ouais. ça va, c'est quoi le ouais, projet. Ouais. Parce qu'autrement, il bah, y a peut-être euh, c'est peut-être fini quoi. Et toi, tu as fait ton examen de conscience, tu as vu que finalement tu te sentais profondément européen. À défaut d'être en tout cas en France, euh, tu as voulu revenir sur le territoire euh, du continent européen et pour l'instant tu en es satisfait. Ouais, ouais, ouais quand même, très satisfait. Euh, bon, c'est aussi parce que je me rapproche beaucoup de ma famille, euh, oui. bon, c'est certain. Euh, bon, maintenant, aller voir ma famille, c'est pas. Euh, oui, puis contrairement euh, à beaucoup, tu as une famille qui a comme tes idées. Ouais, ça, ça ça exactement, j'aime ouais. beaucoup ma famille, euh, donc euh, euh, rentrer voir ma famille, ça veut pas dire. Euh, prendre la totalité de mes vacances annuelles, hein, parce que c'est ça qu'on est au Québec, c'est oui, ouais. les 2-3 semaines qu'on a, les prendre euh, uniquement pour aller voir sa famille, et puis ouais. c'est tout, ouais, ouais, après ouais. il ne reste plus rien. Donc, euh, donc moi, je, peux, voilà, je revois ma famille beaucoup plus fréquemment, donc ça c'est certain qu'il y, y a cet aspect-là, et puis euh, c'est certain qu'il y a aussi, euh, euh, quand je me balade dans les, dans les rues de, de Budapest, bah, je, je me sens à la maison, quoi. Mmh. Je, on sent bien. Est-ce est, est est... qu'il y a beaucoup de Français euh, installés en Hongrie ou pas encore hein? Alors j'ai exploré un peu le Facebook des Français à Budapest. Ouais. Donc, il y a apparemment énormément de Erasmus, beaucoup de jeunes qui ouais. viennent comme ça. Ça c'est des Facebook catastrophiques. Tu regardes ça deux heures, tu as la haine. Quoi. Ouais. Bah ouais. Enfin moi j'ai pas trop. Enfin j'ai regardé de, de vite fait quoi pour un ça. J'ai pas trop le temps. Ouais. Euh, après j'ai vu des gars qui montent des Facebook d'entrepreneurs de, français à Budapest. Ouais. Euh, bon voilà, je, je peux pas trop en juger. Euh, en tout cas, c'est certain que dans les rues de Budapest, on n'entend pas quand même spécialement parler français. Quoi. Donc, ouais. euh, c'est quand même pas une invasion. Euh, non, enfin, ouais. est-ce que ouais, ça ouais. a souhaité qu'il y ait trop en français ah Non, sais, non, non. C'était vraiment une question anodine <laughs> comme ça. Mais euh, euh... Euh... Non, non, j'ai pas l'impression que ça soit une destination. Parce que euh... malgré tout, au Québec, tu étais entouré de francophones, tu pouvais parler ta langue. Là, tu es dans un univers où bon, ta femme parle français, mais... Franchement, au pas Québec, entouré. très peu. Ah ouais Ouais, bon, moi, j'avais pris une voie particulière, parce que j'avais... Tour... Je, je... Euh, au Québec, euh... j'étais quand même au moins euh, 50% du temps entouré d'anglophones. d'accord, mais bon, c'est l'univers que tu t'es choisi aussi. Euh... Mais non, 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 Montréal, c'est ça. C'est Montréal, c'est euh, ça parle anglais dans les rues tout le temps. Ouais. ça parle anglais, ça vient de partout. Euh, non, non, à Montréal, ça parle anglais. À Québec, d'accord, ça parle français, mais non, mm -hmm. c'est la vie. D'accord. D'accord, ok. Euh, oui, et c'est donc, il y, ce y a un recul oui. du français. D'accord, mais à ce titre, là. puisque là, on parle autant es de ta présence en Hongrie, en plus, là, on n'est pas dans la capitale, on est dans une, dans une petite ville, un village même, euh, tu es confronté à des gens qui ne parlent pas anglais. Donc, est-ce que, est que tu as un problème de communication Est-ce que tu as un sentiment un peu de perdition Parce que tu te ah, sens un peu okay, euh, bah, Peut-être qu'en fait, c'est l'expérience de, de l'expatriation ouais. qui fait que, en fait, j'en souffre pas du tout. D'accord, ok. Euh, en plus, bon, voilà, quand on est, quand on est passionné par, par ce qu'on fait, qu'on a un travail extra, bon, bon, échanger de temps en temps des, des quelques banalités avec des gens dans, 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 sa, dans sa propre langue, c'est bien, quoi, ça mm -hmm. fait du bien. Mais voilà, je, 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 pour moi, c'est plus indispensable. Ouais. Non, non, j'en souffre pas du tout, mais bon, c'est sûr qu'en fait, c est, c est, y a parfois des, des des choses un peu gênantes, c'est que euh, je, je peux pas parler à ma vieille voisine d'à côté, je peux pas faire mon travail de euh, comment dire, de euh, euh, d'entre gens enfin tu vois de, euh, ouais, je de ouais. relationnel ouais, avec ouais. les voisins euh, euh, non on peut pas là mm -hmm. je parle pas anglais je parle pas donc euh, donc ça c'est un peu gênant parce que je me sens gêné en fait moi en fait mm, de, pas, sûr, de ouais. pas parler sa langue aller ouais, chez elle sans étranger quoi elle aurait le droit d'avoir un voisin qui parle sa langue tu ouais, vois. Ouais, je comprends je comprends donc euh, c'est donc euh, c'est un peu le sentiment de nation d'une certaine mm -hmm. façon il ouais, ouais, euh, y, y a quelques gênes parfois tu vois de, qui sont liés à ça aussi j'aime pas alors, ça ça relance sur beaucoup de choses mais en fait ce qui va se passer euh, tu, tu tu couperas tu vois enfin tu couperas pas, non mais ce que je veux dire par là c'est que tu pourras ajouter ça plus, plus quand tard quand un mec me dit tu couperas je coupe pas non, je... non, <laughs> non parce que je relance sur, sur tout un débat c'est ça que je voulais pas se faire euh, euh, systématiquement quand tu es à, à Montréal le niveau de la conversation de du, du groupe dans lequel tu vas te trouver va se caler sur le le, le plus mauvais enfin sur le sur le sur le niveau du plus mauvais d'accord euh, euh, par exemple ce que je veux dire par là c'est euh, s'il y a trois anglos et euh, trois franco mm -hmm. tu vois euh, et il euh, y a un franco il euh, y a un anglo qui parle pas du tout le français mm -hmm. et ben tout le monde va se mettre à parler anglais. Anglais bidon quoi. Bidon. Donc on va tomber dans l'anglais bidon. La conversation c'est fini toute la soirée c'est anglais bidon. Donc donc pas possible de parler de plein de choses etc. Donc ça c'est oppressant à la force. Ça c'est un truc qui est emmerdant. C'est que tu peux pas avoir un bon niveau de conversation. Donc dès qu'il y a un groupe, voilà le niveau va s'aligner sur le niveau du plus mauvais en fait. Et ça c'est pénible. Ça c'est super pénible. Et parfois c'était moi le plus mauvais, c'est-à-dire que ouais, si ouais. as trois Anglo qui parlent super bien anglais, encore plus gênant. Ouais. Et eh bien, et euh, eh bien, bon voilà, enfin bon à la limite, c'est à toi de comprendre que faudra pas trop intervenir ce oui, soir, -là, ça, toi, ça, ouais. pour, pour les laisser parler. Euh, mais bon voilà, c'est ça qui se passe, il y, a, il, y a, il y a tout ça. Donc en Hongrie c'est pareil, tu vois, dans, quand quand il y a un dîner, mm -hmm. bon voilà, le fait qu'il y a quelqu'un qui comprenne pas du tout l'anglais, ben, ça pousse les, les gens à, à se mettre à parler anglais. Mm -hmm et en fait je leur dis non non parlez en gros c'est pas grave c'est pas grave tu comprendras pas moi c'est la même chose je préfère ne, pas, grave, ne ouais. pas comprendre et prendre des bribes ouais euh, absolument euh, voilà et quoi. puis pas alors casser... moi je parle en anglais mais je leur dis répondez-moi en roumain ouais. et je vais capter des mots euh... ou en tout cas c'est s'arranger pour que tout soit pas euh, centré sur, sur toi centré sur toi et ouais. Ça pour que pour ça c'est l'intelligence de la personne qui maîtrise pas la langue mais mais ouais, bon ça c'est c'est quelque chose qui est assez pesant en fait qui au final parce qu'on est quand même des expatriés, on a aussi un devoir de communication avec... Euh, moi, je sais que tout ce que je sais de la France, tout ce que j'ai vécu, j'ai envie de le transmettre. Donc, vrai que je sais qu'à terme, le pays où je m'installerai de manière définitive, je vais en apprendre la langue, c'est une certitude. Ouais. Euh, parce que euh, communiquer est essentiel à la vie au quotidien. Non, absolument, absolument. puis l'humour, quoi. Ah, l'humour, ouais. si, si tu veux rire, tu vois, il faut... C'est clair, c'est clair. Bon, quand, es quand même... là depuis un an, mais euh, le hongrois, à mon avis, il faut s'y mettre un bon coup, quoi. Combien 3-4 ouais. ans hein. <laughs> ça, va être, ça va être difficile. <laughs> ça va être difficile. Euh... Ouais. Euh, on va voir. Je vais l'apprendre en même temps que ma fille. c'est ce que j'allais te dire, ah, c'est que finalement, moi, pour l'instant, c'est encore un bébé ma, ma puce. Mais, mais quand elle aura 10 ans, j'ai envie de la comprendre quand elle parle roumain. Ah ouais, ouais, moi aussi. C'est évident. Et euh, on est arrivé à Budapest. Euh, moi et ma fille, on parlait pas hongrois Ouais. Et déjà, je voulais la l'avance qu'elle ouais, ma fille. c'est sûr, c'est ouais. ça, ça, ça va, vite. Euh... Mais pour terminer, qu'est-ce que tu les, les, les Français qui essaient de regarder un peu ailleurs parce qu'ils sont comme ça là, dans le fond du, dans le fond du trou en France. Tu leur conseillerais la Hongrie Si oui. Euh, ouais, je, je pense que je, je conseillerais conseille euh, plutôt rester à deux heures d'avion. Ouais. Alors, ça dépend. Ça dépend de sa situation euh, en, en France. Bon, ça dépend toujours de plein de choses. Mais ouais. je veux dire, si, si tu as une famille de merde, euh, mmh. tu vois, euh, des à, 68 heures alcoolo, etc., que, et que finalement, ça n'a ça, ça, ça aucune importance de, 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 de couper les liens avec ta ouais, famille, ouais, ouais. Euh, tu peux aller t'aventurer un peu plus loin. Mmh. Euh, je parle même pas, de, enfin, s'aventurer en Australie, tu as mmh. 2000 euros le, le, le billet. Ouais. Là, es, c'est fini. Hein, tu, ouais, c terminé, tu vas revenir une fois. Un, c'est fois adieu. Et quoi. Après, c'est adieu. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, euh, je, de bien, en fait. Euh, mesurer à quel point on veut se couper de, de, ça, de, de ses racines, première analyse, effectivement. De, 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 de sa famille, ça c'est la première chose que je conseillerais, tu vois? Et, et donc si on veut pas se couper, plutôt rester à une heure d'avion, deux heures d'avion, et mm -hmm. donc euh, il voilà, y, y a des beaux pays en Europe mm -hmm. euh, dans lesquels c'est... Et puis, euh, deuxième conseil, euh, euh, donc, parler l'anglais, oui. euh, et, euh, allez, un troisième, euh, acquérir une compétence, ou euh, être capable de... de, 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 de en tout cas, prouver qu'on a un intérêt particulier pour quelque chose, de, voilà, de, de, de concret, oui. euh, parce qu'en en fait, dans les autres pays, euh, ils ne savent pas lire ton devis, euh, ton de qu'est-ce que raconte, ton, Oui, même, ton, ton, même ton CV. au sein de l'Europe. Euh, il faut avoir une... Voilà, une... absolument, voilà, exactement. C euh, ton, ton CV, ils ne savent pas, ton école... Enfin, je parle de, de, de gens qui sont comme moi, qui ont des études euh, relativement oui. moyennes. Quoi. Oui. Donc, voilà, euh, à un moment, voilà, pour se faire embaucher il faut... C'est ça, ouais. pour trouver un travail, il faut que la compétence soit utile faut, dans la ouais, ville, exactement. le pays dans exactement. lequel on se trouve. Donc, et pour euh... ça, se renseigner à l'avance, avant de venir, à, préparer son expo. Parce que finalement, ce qui t'a conduit à la Hongrie, c'est l'amour, c'est le hasard de la vie. Mais euh, si tu avais à choisir un autre pays d'Europe, tu n'aurais peut-être pas choisi la Hongrie. Toi, en, dans ton cas, ça a été euh, la vie affective qui t'a amené là-bas. Pour les Français qui nous écoutent et qui veulent faire un choix, c'est multifactoriel. Ouais. Euh, ça dépend de, de, du plaisir de vivre au quotidien, mais aussi du boulot qu'on peut trouver. Oui, ouais, absolument. Là, euh, mais bon, voilà, y a, y a, un, ça, la Hongrie, c'est un très beau pays. Ouais. Euh, et et c'est très facile pour un Français de, de s'intégrer ici, je pense, euh, à part la, la langue. Bon, c'est quand même un gros morceau, mais. Euh, tout le reste, c'est les mêmes traditions. On, mmh. on voit les choses de la même façon. Euh, voilà, moi, je, je vais à la messe le dimanche. Euh, ouais. voilà, ils ont, euh... bon, Au Québec aussi, mais. Euh... Ouais, parce qu'en en, en, en Hongrie, la religion majoritaire, c'est euh, le christianisme et catholique. Ouais, mais c'est pas, c'est 60%. C'est de l'ordre de 60%, donc oui. c'est pas euh, c'est pas comme en Pologne où je pense que le, le, le catholicisme c'est 90-95%. Mmh. Ouais. Ici c'est euh, calviniste. Euh, ah oui c'est vrai. Euh, Orban lui-même est protestant je crois. Ouais protestant, ouais. calviniste, euh, donc mais une majorité de, de, mmh. euh, de catholiques. Oui bon, enfin il fait Noël, il fait Pâques. Ouais voilà c'est voilà, ça, ouais, c'est pas, euh, pas dépillé quoi. Absolument, absolument. Mmh, ouais. ah. Mais très bien, écoute Laurent, est-ce qu'on rajoute quelque chose Je te remercie. Bah, écoute, en tout cas. Euh, non, bah, merci de, de m'avoir reçu. J'espère qu'il y aura quelques informations euh, pour, pour les jeunes qui, euh, oui. qui veulent s'expatrier. Euh, euh, c'est c'est pas forcément un mauvais choix. Mm -hmm. Franchement, vu où la, la, la France va dans les 15-20 prochaines années, oui. voilà, si j'étais un jeune nation, euh, j'envisageais. Enfin, c'est vraiment une voie pour ne pour, voilà, pour pas. Pour pas perdre son temps pour pour oui, pas remettre du, du investir noir. son énergie dans, voilà, un, dans un endroit où ça sera profitable exactement exactement et euh, voilà tout simplement très bien et <laughs> eh ben je te remercie beaucoup j'espère que tu seras très heureux ici et que vu les les, les facilités qu'on a lorsqu'on a des enfants que tu nous en feras plein ben, attendis on, est on est je reviens chaque année on et travaille si dur. ça augmente pas on travaille <rire> <dur>. <rire> très bien ben, à bientôt merci Daniel à bientôt les amis lâchez-vous en commentaire et à très bientôt pour une nouvelle émission salut les gars